YouTube, et c'est Face. Et puis bah, bienvenue sur ce petit live, plutôt là. Merde. Le live Subnautica Below Zero, voilà. Enfin, ici un peu partout quoi. Donc, possiblement la dernière VOD, donc on va voir ça. On va voir. De toute façon, vous verrez ça dans le titre. Moi, je sais pas encore, mais vous verrez ça dans le titre. Possiblement à la fin de Subnautica Below Zero, pour la simple et bonne raison, c'est que bon, on a déjà quand même pas mal avancé et j'ai pas l'impression qu'il reste beaucoup d'endroits à visiter. Et aussi parce qu'en fait j'ai joué un peu en off pour faire une base un peu plus profonde. D'ailleurs en fait alors, c'était ça, c'est hier soir. Ah, je suis pas dans la base. Si, j'ai une nouvelle base, ok. Hier soir, en fait, j'ai joué, j'étais sur Discord avec des potes et tout. Et j'ai dit, ah, tiens, je vais profiter pour faire en parallèle ma petite base sur Subnautica Below Zero. Enfin, ma seconde base. Plus profondément, dans le sens où, comme ça, en fait, je sais qu'en général, enfin, Subnautica, les jeux. Enfin, en tout cas, en basant sur le premier, le endgame se déroule sous le. Dans les profondeurs les plus profondes, si on peut dire ça comme ça, de la map. Et donc c'est pour ça que là j'étais en mode bon bah en fait j'ai construit une map proche de l'entrée de là où il y avait les cristaux de la dernière fois. Enfin une des deux entrées de là où il y avait les cristaux de la dernière fois. Pour nous donner un petit pied à terre n'est-il pas afin de faciliter un peu les déplacements et puis de se dire voilà il y a un autre endroit où je peux faire une pause, où je peux balancer mon équipement etc quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait hier bah, j'ai discuté avec des potes sur Discord. Et puis paf j'ai dit bah tiens je vais faire ma base en parallèle. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer l'extérieur déjà. Toi tu dégages. Et puis en fait et ben donc hier j'ai galéré à faire ma base parce que l'endroit où je le fais c'était un peu, il y a du bordel partout, c'est un terrain accidenté donc c'était super chiant à faire pour ne serait-ce qu'en mettre en place les modules principaux que je voulais de la base. Tiens attends, on va prendre ça. Et j'étais en mode, enfin voilà, j'ai passé toute la une bonne partie de la soirée à ne serait-ce que faire les débuts de la base et à farmer ensuite des matériaux pour continuer à faire la base. Et en fait je voulais continuer un peu hier, enfin aujourd'hui en rentrant du boulot. Alors, en fait en gros je suis allé au boulot, j'ai fait les courses. Et entre faire les courses et le live, bah il y avait quand même quelques heures. Donc je me suis dit bah, au pire pendant ces quelques heures là je continue ma base. Sauf que j'étais tellement crevé que j'ai fait une petite sieste qui a duré plus longtemps que prévu. Et au final, et bah j'ai pas du tout avancé donc bah je me réveille là où je m'étais arrêté. Donc voici la base. Oh putain, une inondation. Attendez. Pourquoi ? Qu'est pas ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, intégrité structurelle, elle est bien là ? Pourquoi ça a pété ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'espère que c'est pas ça. Parce qu'en fait, il y a ce tuyau là qui est pile au-dessus du. D'un truc de gaz. Putain, si c'est ça. Bon, alors, on va commencer à explorer juste la base vite fait. Donc voilà, les générateurs, c'est des trucs d'énergie plus. Enfin, des trucs thermiques. Plus. Comment on appelle ça ? Un bioréacteur parce que c'était pas suffisant en fait. Pour alimenter tout ce qu'il y avait alimenté. Et en gros, voici à peu près la première phase. Enfin, le début de la base en fait. En gros, je suis dans les profondeurs. Donc au-dessus, il y a un chélicéré. La maison est voilà est vers le nord. Donc ouais, c'était l'un des endroits en fait on s'est arrêté la dernière fois. On a vu qu'en fait quand on va dans cette direction, et ben il y a une caverne de cristaux que je suis pas encore exploré. Et il y avait aussi un truc des architectes dans le coin. Donc voilà. Donc en gros, il y a une baie pour que je puisse construire le robot là. La combinaison Prown que j'ai toujours pas fait parce que je comptais le faire aujourd'hui, mais comme vous savez, j'en ai mis comme une merde. Il y a une baie pour l'aquatracteur, mais déjà c'est hyper long, c'est un bordel sans nom ce truc. Et au final, bah, je pense que ça fout un peu dans la merde parce que peut-être que ça fait des dégâts à la base. Et c'est super chiant à mettre en place ça. Le problème c'est que ben c'était sans endroit où j'aurais pu le mettre. J'aurais peut-être pu le décaler un peu plus, peut-être. J'espère que c'est pas ça qui détruit la base. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Donc la baie. Et aussi, je me suis amusé à faire une petite salle de contrôle, etc. Pour voir ce que ça faisait. Et puis ça donnait un petit côté stylé aussi à la base. Tac, zoop.
Voilà. Donc en gros, pif paf pouf. Bon là j'ai fait un truc de bouffe vite fait pour Ah. Non, il y a des traces violettes mais je vois. Ouais, ok, d'accord. Je pensais que c'était ça qui pouvait faire des dégâts. C'est vrai que j'ai... Est-ce que j'ai assez de verre? Non, j'ai pas assez de verre, c'est pour ça que je me suis pas... j'ai pas continué. Donc en gros voilà, j'ai t'as là, t'as le tube, t'arrives avec l'aquatracteur, le contacteur se gare. Et là t'as... Ouais, je vais encore le personnaliser. T'as tout un bordel et tout ici. Ici je voulais faire un grand aquarium. Donc il y a un étage en dessous encore, mais j'ai enlevé l'échelle parce que ça servait à rien. Mais il y a un étage en dessous encore pour faire plus le grand aquarium quoi. Donc ici c'est destiné à devenir l'aquarium aussi. En gros ici c'était le lieu de stockage de la combinaison Brown. Sauf que ben je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps au final. Ici c'était une grande salle où je vais mettre tout l'équipement. Donc enfin avec la bouffe, le truc d'eau, tout ce qui est fabrication aussi. Enfin tout c'était vraiment la salle de stockage. Enfin tout mon merdier normalement devait se retrouver ici. Ici le bioréacteur pour compenser les deux générateurs qui ne suffisent pas. Ici petite salle pour observer un peu la base parce qu'elle est stylée. Et ben voir le gros bulbe explosant en temps réel. Oula, tac tac tac. Et la salle de contrôle où je peux renommer ma base, je peux donner une... Attends, je peux donner une couleur spécifique. Attends, on va voir. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, c'est très comme ça, ok, d'accord. J'ai pas trop regardé, ouais, j'ai juste fait ça surtout pour le fun. Et si je peux contrôler ici, bah, quelle salle sera alimentée. Par exemple, là, vous voyez, là, c'est alimenté. Et non. Et ça fait un boucan incroyable. T'as la journée et tout, t'as l'intégrité structurelle de la base, et aussi t'as l'alimentation, voir comment s'alimenter, quoi. Voili, voilou. Et donc... Parce qu'il s'est passé aussi des trucs en live. C'est parce que quand j'ai exploré un peu pour essayer de faire... Enfin, j'ai exploré un peu. J'ai un peu fouillé la zone pour essayer de ramasser des matériaux du style titane, etc. Tout ça. Et ben, il y a des trucs... Je suis tombé devant un artefact d'architecte que je n'ai pas scanné et tout parce que je voulais garder ça pour vous. Par contre, ça fait malheureusement un peu avancer l'histoire. Bah, je crois que c'est celui-là. Hein. Du coup, je suis passé devant. Ça, voilà, c'est un nouveau... Attends, pardon. Another site found, but I cannot yet tell whether the others survived. Still, it holds valuable information. I hope you will find more. The network is indicating more of my people's technology, but the images I am receiving are fragmented, repeating. I am struggling to locate them precisely. Fragmented images? Why would that happen? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material. Perhaps amongst large crystal formations. Voilà, donc ça c'était quand j'ai déjà commencé à faire ma base et tout, donc je m'attendais à ce que voilà, la suite du jeu se passe plus profondément quoi. Et là probablement au sein d'une grande formation de cristaux. Donc la prochaine étape, là il y a deux artefacts d'architecte à explorer, enfin à trouver. Donc un que j'ai trouvé par inadvertance et l'autre qui est indiqué depuis environ plusieurs lives déjà. Et derrière il parle de ça, donc en fait on va faire les deux artefacts puis on va s'aventurer dans ce truc là. Et ensuite ça c'était un truc qui a été donné, qui était balancé, sauf qu'en fait j'ai pas écouté. J'ai vu qu'il m'appelait sur mon téléphone de psychique et j'ai pas décroché. Et je me suis dit bon, au pire ça fera ça pour la prochaine fois, sauf qu'en fait non, ils ont quand même passé le chemin. Donc vas-y. But ultimately, I have no definitive evidence as to the fate of my people. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. I suppose the human reaction would be to maintain hope, a survival instinct. Having no choice, I shall emulate you. It seems rather inefficient, but I will have to go home and see what awaits me. The only other alternative is to perish alone. The worst inefficiency by far. Ce qui est encore plus efficace. Ça va, c'est bon, il y a pas en train de déprimer notre Alan là. Bon, allez. Est-ce que j'ai besoin de mes conneries pour... Faudra que je fasse surveiller ça, je crois. Attends, mais je vide un peu mon inventaire, moi. Attaque. Là, ça, on dégage. Ah oui, bah du coup, j'ai bouffé, en fait. Ah oui, attends, le générateur. Donc voilà, j'ai essayé de faire avancer les trucs en off et tout, mais c'était... C'est vrai qu'il y a de l'eau. C'était pas le truc le plus concluant. Voilà.
T'entends quoi? Ah non, je crois qu'il y avait un truc qui était déjà entamé. Eh bien, merci, ah non, merci beaucoup pour cette eau. On va bouffer. Tac. Mmh. Oh, tac. Mmh. Voilà. Comme ça au moins ça fait des petites réserves, ça c'est cool. Ah oui, bah oui, mais du coup j'ai fait une chambre aussi. Mais toi, je passe à côté, mais il y a toute une partie de la salle. J'ai fait aussi un toit ouvert au-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure vue qu'on puisse avoir. Du coup, j'ai commencé à faire une chambre. Il manque quoi là-dessus hein? Ah oui, du verre, du titane. Ok. Ah, surtout du verre. Donc voilà, j'ai commencé à refaire une petite chambre et tout. Donc là, t'as avec la cuisine tout ça. T'as la chambre avec le lit d'Emmanuel, mais sans Emmanuel, ce qui est plutôt un grand avantage. Et surtout, une salle de bain avec des chiottes. Bon, y a pas de miroir, j'ai pas trouvé de miroir, mais y a des chiottes et y a une douche. Et je peux prendre une douche pour la première fois dans Subnautica. Mais c'est important. Ok. Donc voilà, c'était. Je me suis un peu éclaté en off. Surtout en plus, c'était pas la priorité de faire ça, mais pourtant. Mais pourtant, si. Évidemment, la base qui est au-dessus, on la gardera toujours. Ok, ça on va garder. Bon, ça périme, mais c'est pas grave. Je garde le reste. Il y a juste peut-être le poste de fabrication que je vais laisser ici. Ah oui, toi, attends. Toi, je vais te réparer. Le poste de fabrication que je vais laisser ici parce que j'ai pas besoin. Et ça. Ah, tac. Oui, oh, c'est vrai que j'ai fait des tuyaux en plus, ça fait chier. Bon, allez, zou. Bon, on y va en fait. C'est parti. Et donc, en fait, voilà. L'habitacle se remplit d'eau. Enfin, l'habitacle, le tuyau se remplit d'eau. Et derrière, et ben ça. On repart en arrière avec l'aquatracteur. L'aquabanger. En bleu comme ça, c'est assez violent. Hein. Bah, si, je garde tout en fait. Je garde tout le bordel. Donc, première étape, je vais vous montrer l'artefact que je suis tombé dessus par inadvertance. Alors, il va falloir que je le retrouve à nouveau. Ah, oui, j'ai trouvé comment utiliser le système de défense. Voilà. En fait, fallait juste que j'aie un petit coup de molette pour que ça sélectionne dans le menu en bas, dans l'interface en bas, et puis ensuite j'ai suite de cliquer, tout simplement. Donc en plus, c'est pas très long, il est dans cette zone là en fait, l'artefact là. Faut juste que je le retrouve à nouveau. Non, c'est pas par ici. Par contre, toi, ouais, il y a un. Ok, non, ça c'est normal. Attends, mais non, il faut que j'aille vers la maison en fait. Bonsoir toi. Voilà. C'est dans les tranchées à ce niveau là en fait. Je suis tombé dessus vraiment, je suis en mode vas-y, je suis en train de farmer tous les. Ça se trouve, il y a de l'or parce que j'ai besoin d'or. J'ai besoin d'or à ce moment là. Et en fait, j'ai essayé de chercher, je suis tombé sur l'artefact. Tiens. Putain, mais à chaque fois je passe devant et je fais pas gaffe, c'est quoi ça? Par contre, du module d'amarrage de l'aquatracteur. Oh, mais ça, j'ai déjà. Ah, oui, aussi, j'ai trouvé un module de lit, l'aquatracteur. Attends, c'est où le truc? Sur la maison. La maison est par ici. Putain, c'était où précisément la connerie? J'en suis pas très loin. C'était vraiment dans une tranchée et tout. Où j'étais réfugié en espérant trouver de l'or. Bah, ça doit être à ce niveau-là, je crois. Vas-y, attends. On sauvegarde et je vais faire une sortie. Une sortie à peuton. Donc, on va partir du principe que j'ai terminé le jeu aujourd'hui parce que, ben, on. Je pense qu'on arrive. Enfin, on arrive franchement vers la fin, quoi. C'est ça que. Ah, oui, attends. Est-ce que c'est un module de lit, ça ou pas? Module lit de l'aquatracteur. En fait, l'aquatracteur, tu peux vraiment avoir toute ta maison dessus. Enfin, dedans. Ça, ouais, ah oui, ça, merde. Attends, c'était quoi ça déjà? Ah, je m'en souviens plus. Et du coup, c'était. Non, c'était pas encore à ce niveau-là. Bah, je crois que c'était plutôt. Ah oui, c'était ici. Je cherchais de l'or.
C'était de la joie. Voilà, c'était ici, ouais. Voilà, comme j'ai promis, j'ai pas scanné, j'ai dit oula. Ça, je garde. Ah, c'est vrai qu'après, il y a du lore aussi à observer, hein. Enfin, à voir. Hein. Vas-y, je vais prendre ça parce qu'on a toujours besoin du quartz pour faire des conneries de style. Oh, c'est joli tout plein. Lithium, ça peut être intéressant pour renforcer la base aussi. C'est vrai qu'il y avait pas d'or ici, j'avais un peu les boules de qu'il n'y ait pas d'or. Ah putain, tu la vois apparaître la base maintenant. Putain, faut que j'enlève la balise alors, c'est trop bien. En même temps, c'est logique parce que je pouvais lui donner un nom. Donc, si je pouvais donner un nom, il fallait que ça soit bien que ça s'affiche quelque part. Bon, vas-y, on va se casser d'ici, on a ce qu'il fallait. Les conneries que j'ai ramassées, je vais pouvoir les ranger. Attends, il y a d'autres conneries à ramasser. Même si je pense pas que le titane, j'en aurais encore énormément, absolument besoin. Du sel, encore moins. Ah oui, ça par contre, j'avais fait en live, ça, je crois, dans mes souvenirs. Et je suis passé vraiment littéralement à côté du truc, quoi. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est cool, il y a des coffres, et j'ai pas cherché plus loin. Bon. Ah oui, j'ai fait la combinaison polaire aussi, mais j'ai toujours pas porté, donc bah quand on rentrera à la base, on joue. Je vous montrerai ça. Ouais, bonjour. Je ferai ce que j'ai à faire après. Direction l'artefact. Comme ça, on évite de passer devant le chéri-séré. Attention, couille explosive droit devant. Ok. Et du coup, je me balade avec ce que j'ai là. C'est. T'as un truc pour fabriquer, t'as un truc. Bon, fabrication basique, mais t'as fabrication quand même. Ah, ok, c'est ça le prix. Fabrication basique, mais fabrication quand même. Et aussi, bah, de quoi stocker. Ça, c'est très important pour toutes les merdes que je vais ramasser. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on va là. Parce que là, ouais, là, ça va être le truc des nénuphars là. Ouais, ouais, c'est les nénuphars, ouais. Si on passe devant le vaisseau, ça veut dire qu'on va aller. Dégage! Voilà. J'aurais dû faire ça depuis le début en fait. J'aurais dû vider la zone de toutes ces saloperies depuis le début. Ah, du coup, on va pas vers le vaisseau. Enfin, on va pas vers le. Parce que j'ai dit que si on passait vers le vaisseau. Ok, ça commence les emmerdes. Si on passait à côté du reste de vaisseau, et ben pour moi on allait vers la zone des arbres. Et pas du tout en fait. Je sais pas où est-ce qu'on va du coup. Bah en même temps si vous faites de la merde. Hein ? Attends, il était couleur bizarre celui-là non ? T'es quoi toi? Pourquoi t'es pas rouge comme l'autre? Ah t'es bon, ok. Putain mais dégage! Tiens voilà. Putain mais il me collait. Putain je croyais qu'il était il était pâle. Limite blanc, gris, je sais pas trop quoi. Bah voici, on est bien dans la zone des arbres alors. Avec les jardins des vins, des trucs dans le genre. Ouais, bah y a des choses que ce soit là-dedans hein. J'ai avancé instinctivement. Salut. C'est saloperie va. Peut-être de l'autre côté. Ah non, c'était un petit que j'ai vu. Là c'est un gros. Ok, ok, c'est en dessous ça. Ça c'est quand même étrangement stylé quoi. J'ai dit affreusement stylé, non, c'est juste surtout étrangement stylé. Et il s'est placé au côté d'un point chaud parce qu'il est chill, il est chillax. Mais arrêtez de foncer sur mon vaisseau. Et non, c'était pas moi qui fonce sur eux, c'est eux qui foncent sur mon vaisseau. Ok. On va se garer ici. Je vais vider un peu mon inventaire histoire de. Ouais, parce qu'il y en a besoin aussi.
Truc de scanner, j'ai quand même le garder. Toi, j'ai pas besoin. Outil de réparation pour l'eau, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'autant de bouffe. Lithium, putain. Lithium, ça dégage. Le scanner, on va garder. Bon, j'ai tendance à sauvegarder de manière frénétique parce que. Parce que j'ai peur. Ok, pas d'autres saloperies. Surtout que j'ai pas envie de perdre mon vaisseau non plus. Parce que là, quoi manger, voilà, j'ai pas envie de le refaire. Y'a pas d'autres. J'ai cru voir des cristaux. De l'or! Enfin, oui, de l'or. Du titane. Du titane, ok. Bah du... pas du nickel mais du lithium. Sachant que la prochaine étape c'est du nickel pour avoir le... pour améliorer l'aquabranger juste ce qu'il faut pour qu'il puisse encore plus descendre. Dans tous les cas on va devoir revenir à la base principale. Enfin ouais, à la base originale. Alors ça je sais pas trop comme ça sert à part faire un truc thermique là. Bonsoir. Alors module de téléportation, comment ça téléportation? Attends, attends, là ça m'intrigue là. Outil de rapatriement. Attends, c'est banger ça. Attends, par contre je connais pas toi, toi t'es quoi toi? Poisson disque. Petit, petit, oh petit. Bon ça je vais... enfin ça je vais... en fait ce truc là je lis en off. J'ai jamais en live. Les petites descriptions de créatures. Ça c'est pour mon nouvel aquarium. Vas-y on en prend un deuxième, attends. Priorité. Ok, bon. On va se poser vite, vite fait dans le vaisseau. Par contre y a pas beaucoup de diamants hein, pas beaucoup de trucs Oui, il y a peut-être des trucs sur les côtés aussi. Qu'est-ce que je suis con moi? Ah bah tiens, voilà. Bah qui me disait, il y a pas beaucoup de trucs. Bah oui, j'ai pas fouillé. C'est vrai qu'après un coup de lampe ça c'était pas déconnant. Hein. Bon, comme ça du lithium en théorie. Après le lithium c'est sympa parce que ça permet de renforcer la base aussi. Et comme ça je peux mettre des vitres. Parce que le seul, ben, dans mes souvenirs, ben, je savais qu'on pouvait renforcer les trucs comme ça, la base comme ça, avec les parois, parois renforcées. Mais j'avais pas vu que j'avais débloqué le plan. Donc en fait, je faisais que des plaques et j'étais en mode putain, fait chier, j'ai besoin de plomb, etc. C'est pas simple d'en trouver, machin chose. J'ai encore la place, ouais, voilà, c'est pile poil. J'ai regardé pile poil quand il fallait. Par contre, l'aquabranger. Mon ami, l'aquabranger. J'ai pas farmé plus de cailloux plus que ça, je pense que. Enfin j'espère que j'en aurai assez pour la fin du jeu. Alors. Putain, c'est quand même vaste, c'est quand même super ce truc là. Voilà. Bah, je vais bouffer, tiens. Non, c'est pas ici, c'est là. Un petit dernier. Bah, faut que je fasse gaffe, hein. J'ai pas beaucoup. Mais attendez, prends ça, con du cul, voilà. Et le reste, c'est quand même, c'est good. Bon, ça c'était chouette. Par contre, attends, j'étais à quelle profondeur? Ouais, attends, on va. Bah, on retourne à la base, la deuxième base. Où est-ce qu'il est? Ok, par ici. Ouais, j'ai pas vu de passage non plus sous terre vachement profonde pour essayer de voir essayer de repérer les comment dire. J'arriverai à terminer ma phrase un jour hein. Oui j'ai pas vu d'autres passages pour arriver à la caverne des cristaux autre que celui à côté de la maison de Micheline et à côté de ma maison. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais du côté de Micheline ou pas? Ça pourrait être une solution, ça pourrait être plus rapide. Faut juste que je fasse gaffe niveau bouffe, sachant que j'ai pas beaucoup de bouffe sur moi, mais... Après j'ai plus beaucoup d'espace non plus dans mes inventaires.
Ça peut être plus judicieux de revenir à la maison, comme ça je vide mon inventaire, je prends de la bouffe. Et j'explore de manière plus sereine, ou pas. L'autre partie. Attends mais ça, on l'a pas vu ça? Si? Ah si, c'est le truc de vaisseau là qui faisait la gueule. Par contre j'ai... Putain mais quel con. J'ai pas exploré cette partie là. Si, en fait j'avais déjà regardé un peu je pense. Oui, faut pas que j'oublie mon objectif, hein, la maison. La maison! Micheline, je pense qu'elle a plus rien à nous dire en fait. Ah, pire, on peut aller la voir en disant j'ai fini le travail de ma soeur. Elle fait ok, c'est cool, cool story, bro. Bah, elle va s'arrêter là, je pense. Si on remonte. Là, si on remonte, oui, on va remonter. Lorsqu'on va remonter. Désolé. Peut-être passer par Micheline plutôt que passer par la maison. En gros, parce que je pense que là, le truc qu'il a dit là sous les profondeurs, c'est la dernière, c'est le dernier morceau du corps de Alan. Donc une fois qu'on aura tous les plans, là il va nous dire bah en fait va à cet endroit là pour faire les trucs. Et à ce moment là, bah on, sur le chemin pour aller à cet endroit là, j'irai au bout de tes rêves, j'irai chercher le... Aïe. Comment dire? J'arrive à terminer ma phrase avant. Je passerai par ma base principale en haut là pour récupérer ce qu'il faut pour ça. Et ensuite aller à l'endroit où qui est prévu cet effet. Endroit qui j'espère nous être révélé rapidement ensuite qu'on aura terminé, qu'on aura trouvé tout ce qu'il faut. Par contre là on va devoir affronter les Léviathans des ombres là, ça fait... je suis pas rassuré hein. Bah du coup c'est la balise, je vais pouvoir la prendre, ça va être cool. Je vais la garder avec moi parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais, on regarde vers le haut. Ah bah je vais pouvoir garer mon aquatracteur aussi. Ouais, je sais pas pourquoi il y avait un problème là, oulala. Alors c'est bien, c'est assez stylé comme truc. Attends mais rentre. Voilà. C'est assez stylé comme truc ça. Par contre ça prend de la place de malade. Après il faut que tous les modules rentrent dedans hein. Vas-y j'enlève aussi les tuyaux parce que ça sert à rien. Pardonnez-moi, il y a Vrototed, c'est parfait, ça fait déjà pas mal de choses à enlever en moins. Putain. Il y a pas mal de conneries. Ah non, j'ai pas terminé, je pensais avoir rempli. Ok, d'accord, c'est tout ce qui est là. Par contre, j'ai récupéré ça. C'est pas mal. J'ai fait aussi les palmes. Alors, je crois que j'ai peut-être fait en live la dernière fois, j'ai fait aussi des palmes chargées. Comme ça, je peux nager et me remplir le truc. Mais remplir les machins. Putain, j'arriverai à parler un jour, c'est dingue. Là c'est la fatigue, je suis à moitié crevé là quand même, je suis assez violemment crevé, c'est pour ça que j'ai fait la petite sieste. Ça fait du bien. Mais en parallèle, c'est assez handicapant dans un sens quoi. Pour pouvoir préparer ce que je voulais finir préparer pour le live. Genre terminer ma base en fait. Terminer ma base et construire la combinaison Prown. Les tuyaux. Les poissons, faut bien goûter. Et ça j'ai la bouche, j'ai la bouffée. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, pour la combinaison, il faut quoi en fait? Tant que je suis là. Ah, attends, il y a des choses en plus. Ouais, donc, ça, la combinaison polaire, ça c'est fait. Donc, elle m'attend tranquillement à l'autre base. Qu'est-ce que j'ai trouvé en plus? J'ai trouvé la deuxième partie du. Attends, le titre de rapatriement? Ou téléporte vers un module de téléportation de la contacteur à proximité. Oh, ça peut être pas mal ça, hein. J'essaie de voir pour le faire en fait. Dans tous les cas, il faudra revenir à la baie de véhicule. Ouais, mais ça flotte obligatoirement à la surface. Je suis obligé de le faire totalement à la surface à chaque fois en fait. C'est chiant, du coup, je suis obligé de revenir à la base. La combinaison Prown, il faut lingot de plastique, acier, batterie, verre émaillé. Ok, bon, c'est pas non plus le truc le plus incroyable à faire. Module de déportation qui permet de servir à le point de déportation, il faut synchroniser avec l'outil de rapatriement. Trop bien. Module lit. Savez-vous comme à la maison de ce. Sentez-vous comme amusant avec ce module aquatracteur, d'accord. Ouais, je pense qu'on va faire. On va aller chercher le. On va aller dans la caverne des cristals pour trouver le truc qu'il nous faut. Et puis ensuite, on ira à la base.
à l'autre la base du dessus pour faire la combinaison brown. Attends, je peux commencer à faire des trucs déjà. Lingot de plastacier. Voilà, ok. Et module de déportation. Comme ça, je le mets dans le vaisseau. Au cas où j'aurais pas assez pour plus tard. Ça, je pense que. On va regarder le nickel, ça sera quasiment sans. Enfin, vu qu'il demande aussi le distène, je pense que le nickel, on va trouver dans la caverne des aux cristaux. Donc, ça, on va pouvoir le faire. D'ailleurs, je mets ça aussi comme ça. Par contre, ça, on a que le MK1. Donc, ça pourra pas être utilisé pour la fin. Oui, attends, il faut aussi le module d'amarrage du coup. Ouais, j'aurais passé en termes de matériaux. Recharge des batteries, no cumulable, ouais, ça. Bref, on verra ça après. Putain, module de téléportation, ça s'est mangé, hein. Bon, j'ai pas assez pour le faire maintenant. Voilà, c'est organe d'archidec, il manque juste ça. Lingot de plastacier. Alors, pour le lingot de plastacier, il nous faut. Lingot de titane et deux fois du lithium. Donc, 1, 2, 3, 4. Putain, il en faut 4. 1, alors, 5. Donc, 1. Donc, ça fait un lingot de plastacier. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là, ça fait 2 lingots de plastacier. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 3 lingots de plastacier. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 4 lingots de plastacier. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 5. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut en termes de lingots de plastacier. Il faut 2 trucs d'aérogel. L'aérogel, ça va être rapide. J'ai ça. Et j'ai pas cette place. J'ai ça. Voilà, ok. Première étape. C'est vrai qu'après, je pourrais renforcer la vitre, mais. Mais bon. Bref, enfin je pourrais terminer mon aquarium, mais bref. On verra ça après. Ok, bon, on sait notre petit truc déjà de base. Comme ça, dès qu'on revient à la surface, en fait, on a déjà tout. Et on balance tout, on fait tout notre bordel. Parce qu'on a, deux modules d'aquatracteur à fabriquer. Donc déjà ça, ça va compléter notre aquatracteur. Plus derrière on a la combinaison qu'on va pouvoir attacher à l'aquatracteur. Par contre il y aura peut-être pas assez de puissance pour l'aquatracteur. Enfin, ça prend du pouvoir, ça prend de la puissance cette connerie, hein. Voilà. Hein. La grande batterie, je crois que j'en ai une en stock à la base principale. Donc ça sera pas la fin. Le verre émaillé, il faut du verre et de l'émail, non. Il faut du verre, du diamant et du... Ça c'est du diamant ou c'est... Attends, merde, faut que je regarde nouveau. Et le dernier. Donc là après j'aurai les deux aquagels, il en restera plus que ça. Enfin il restera pas mal de choses encore. Ok. L'aérogel. Ça quitte de câblage. Donc il faudra que je fasse 3 circuits intégrés et 2 kits de câblage. Donc attends, ça déjà on le stocke. We could be immortal. Immortal. That is. Wes. Alors attends, 1, 2, 3. C'est parce qu'il en fallait 3 des circuits. Attends, le truc d'argent. Je possède des thunes, je suis allé financièrement. Attends, je peux en faire 1. Je peux en faire 2. Ok, donc j'ai les deux. J'ai deux kits de câblage. Maintenant, il faut les puces électroniques. Donc il en faut 1. 2, 3 et 1, 2, 3. Donc j'ai ce qu'il faut pour faire le kit de câblage avancé plus la puce électronique. Le verre émaillé. Verre, plomb, diamant. Ok, c'est bien raison, c'était du plomb et du diamant aussi. Du verre, du plomb et du diamant. Donc j'aurai le verre émaillé, la puce, la plastacier, la batterie, elle se trouve là-bas. Donc la combinaison prod, ce sera bon. J'aurai les 3 trucs pour le kit de téléportation. Et il faudra encore 2-3 plombs pour l'autre partie. 1. Ok. 1, 2, 3. Ok, c'est cool. Donc ça, c'est... Enfin, je vais quand même fabriquer les trucs, mais ça, c'est plutôt good. Faut aussi que je fabrique l'appareil pour me téléporter. Ça pourrait être sympa. Ah, du verre. Du verre émaillé. Ça, c'est good. Kit de câblage. Une fois. Deux fois. Fil électrique pour faire une première puce.
Fil électrique pour faire une deuxième puce. Fil électrique pour faire une troisième puce. Donc ça, on fait le kit de câblage. Enfin non, on fait déjà les puces électroniques. Donc comme ça, ça j'ai tout ce qu'il faut. Bah y'a ça je suis quasiment sûr qu'on l'a en haut. Donc y'a pas de soucis. Kit de câblage avancé, comme ça du coup ça c'est fait. Ça on aura ce qu'il faut. Et celui-là, on a ce qu'il faut aussi. Et celui-là, bah distance. Ah oui, il faut que je peut-être le distance de côté aussi. Ah, je pensais qu'il y a plus de place que ça. Voilà, c'est bien ce que je me pensais. Enfin attends, je vais réunir toutes les conneries. Toi non, t'as plus de place, ouais. Ok, donc toi t'as tout ça. Il faut deux distens. Il faut du disten, et comme ça j'ai tout ce qu'il faut pour... Attends, est-ce que j'ai du disten ici? Est-ce que j'ai embarqué avec moi? Dans ma grande sagesse. Si j'en ai pas ici, de toute façon j'en ai en haut. J'en ai pas embarqué ici. D'accord, ok, bon. Dans ma grande sagesse, hein. Alors, ça, c'est fait. Tout désépinglé. J'ai quand même voir pour l'outix. Il est où l'outix? C'est là. Cube ionique, caoutchouc silicone de titane. Cube ionique. Ouais bah en fait ça, je pense que j'ai ce qu'il faut en haut. Les cubes ioniques j'en ai déjà en haut en fait. Quelque chose silicone je peux en fabriquer facilement avec du titane. Bah en théorie attends. C'est deux titanes on l'a dit hein. T'as tout le titane que j'ai ramassé qui est déjà utilisé. Bah attends. Et il faut du verre. Il faut combien de verre encore? Il faut encore deux verres et deux titanes. Mais est-ce que j'ai deux titanes derrière pour faire ma connerie moi? Ouais deux titanes. Et deux. Je fais ma connerie maintenant, comme ça au moins c'est fait. We could be immortal. Immortal. Tap wins. Oui, j'ai ça en tête parce que Spotify m'a balancé comme ça. Attends, c'est pas Spotify. Si, c'est Spotify. M'a balancé comme ça pendant que j'étais sur le chemin du retour du boulot et ça m'est resté. Voilà. Voilà, ok. Donc j'ai ça. Faudra que je l'améliore plus tard, mais j'ai déjà ça. Je sauvegarde. Et puis on va y aller. Ah la bouffe. Parce que derrière si en plus on repasse directement par Michelin City. Ah j'en profitais aussi. C'est à dire que du coup j'aurai la combinaison, je pourrais mettre la combinaison. La combinaison ici disais-je. Et bah, c'est bien ce que je pensais. Je vais mettre la combinaison ici et derrière repartir sur les basses scènes. Ok donc ça c'est good. Ça ce qui est good c'est que ça prend pas trop de place et que ça nourrit quand même plutôt bien. Hein. Ouais ça va être un gigantesque quand même, ça va être bangé. Bon. Lâche ça tout de suite. Lâche ça tout de suite. Ok. Les réserves de bouffe au cas où. C'est parti. Bon. Putain mais. Enlève-moi ça. La pile aussi. Voilà. J'aurais peut-être tu. Enfin non mais j'avais pas sur moi je crois le détecteur à minéraux là. Parce que ça peut être pas mal aussi pour détecter. Pouvoir trouver les minas nickel en fait. Après je sais même pas s'ils se trouvent dans des cailloux ou pas. Donc voilà. Ah les emmerdes commencent. Des emmerdes commencent. Par contre on a aucune idée où ça se trouve là dedans en fait. Non ça c'est de l'argentite. Ça par contre. Mina de galène, ok. Ok, laisse tomber. J'avais un doute, mais le doute c'est. Hein. On va rester à ras le sol. Enfin, ça sert à rien parce que l'autre il va quand même essayer de nous bouffer s'il me recroise. Faut oublier qu'il y a un putain de Shadow Leviathan, donc Leviathan des ombres, je dirais. Enfin, je connais son nom à cause de la carte Steam. Et du disten, donc attends. Oula, oula, eh oh, hein, oh. Putain, c'est vrai que j'ai un gros cul en fait. Il y a du disten.
te réparer hein. Ouais. Vas-y, est-ce que je recherche un petit peu? Vas-y, je recherche un petit peu comme ça. T'as quoi, je suis tout petit donc il me verra pas le gros truc. Du lithium, du machin. Ok. Je crois l'avoir entendu, il est pas très loin. Mais non, mais putain, mais me fais pas peur, me fais pas peur comme ça, connard! C'est comme la dernière fois. Il y a pop d'ici. On a trouvé une petite crevasse comme ça, on s'est installé, il est arrivé, il nous a bouffé, il nous a bouffé le chibre là. Attends, c'est pas ça, hein. Non, c'est pas ça. Putain. Le problème, c'est qu'on n'a pas la meilleure vision du monde, quoi, ici. L'angoisse d'un jeu. Pas trop que je mets de la cob en G non plus, parce que c'est un peu ma protection en soi. Oh! Non, ça c'est... Ah, par contre, ça! C'est quoi, ça? Par contre... Qu'est-ce que c'est? Ok. Le distance, c'est toujours bon à prendre. Calcaire, bon, on va prendre le titane, mais voilà. Donc en fait, je me suis planté. Oh! Quoique... Encore plus profond. C'est du galène ça, c'est pas du nickel. Je suis déjà à la moitié de mon truc. Bonsoir. Oh putain. Non. Où qu'il est? Où qu'il est? C'est là-bas. Ok. Ok. Bon. Merde, dis-le. Elle a quoi manger vite? Oh fuck. Oh fuck. Je vais mourir. Je vais mourir. Putain! J'ai pas pris de trucs de vie. Qui est... Casse-toi! Casse-toi! Salut toi! Putain, mais il hésite pas à me suivre dans les moindres recoins ce bâtard! Par contre, je pensais qu'il allait faire plus mal que ça, mais il m'a pas chopé donc je pense que c'est pour ça qu'il m'a pas fait plus mal que ça. Ok, ça va être très chaud de l'éviter par contre. Mais on a de quoi se défendre en théorie. Tiens, attends, j'aime vite. Non, pas là-dedans du coup. Ça me remplit, ça me redonne pas de la vie, mais... Ok, bon. Il est rapide le bâtard, hein. Enfin, en même temps, je suis un peu un naze, hein, dans ma petite combi, enfin, dans ma petite combi, avec mon Seaglide, donc... Oui, mais on se rapproche dangereusement aussi de la profondeur, là. Aïe. En fait, je pourrais pas descendre. Ouais, mais donc c'est. Donc le nickel est forcément là-dedans. Ta gueule! Vite ta gueule! Eh, mais il veut mon cul, hein. Esquive! 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 Esquive toujours? Il veut mon cul, hein. Il hésite, il s'acharne! Aïe. Oui, mais après j'ai un gros cul aussi. C'est pour ça qu'il veut me bouffer mon fiac. C'est parce que j'en ai un gros. C'est du lithium toi aussi hein. Ah, ça va plus profondément, ouais. Ah bah il bat là dessus Ah, il y a un bras pour plus. Attends. C'est bien ce que je pensais. Dégage. Ok, maison de Michelin, c'est par ici. Non, c'est pas par ici. C'est pas ici, maison de Michelin. Maison, non, c'est sa même maison. Ça, c'est ma maison, enculé. T'as quelle station d'état? Mais y'a pas une maison de Michelin dans le coin? Ah, si, la maison de Michelin est ici. Donc en fait, c'est pas ici qu'on est arrivé la dernière fois. Oh putain, heureusement qu'il y a le système de défense là parce que c'est vengé, hein. Oh! Oh!
Magnétite, merde. Merde, c'est pas du nickel. Je veux du nickel pour juste ne pas avoir à me soucier de la profondeur déjà. Parce que si je me soucie de la profondeur, en plus me soucier des gros Billy Bob là qui essaient de me bouffer. We could be immortal. Immortal. Putain, j'ai ça dans la tête, c'est ch... Bah c'est... Non, ta grand-mère hein. Just whoa. Est-ce que je cherche? J'ose pas me retourner. Ta gueule. Sauf que attends, c'est même depuis tout à l'heure, ils sont deux là. Vous êtes pas du nickel, non, vous êtes pas du nickel vous. Le petit nickel est attendu dans mon inventaire, le petit nickel. Je m'approche dangereusement de la profondeur critique là. C'est donc. Où est-ce que ça pourrait être le nickel si c'est pas ici? Non, c'est pas du nickel ça? Non, ça c'est de l'argentite ça. Oh? Non, ça c'est du. Ça c'est. Je sais pas ce que j'en sais plus ce que c'est. C'est du galène, je crois. C'est pas du nickel, c'est du galène, c'est pour avoir du plomb. C'est pour avoir du plomb dans l'aile. Bah, ce qui est cool, c'est que le module de défense il coûte pas d'énergie. Petite cavité. Pas du tout. C'est juste un trou dans un passage, mais. Oh? Oh? Non, ça c'est du lithium. C'est du lithium, connard de enfoiré de citadin. Lithium. Café. Que j'aime ton lithium, café. Non, c'est pas ça, ok. Ok, ok, ok. Viens, je t'attends là. Mon canon à IEM est chargé. Ouais, tant pis. Pour le bras, propulsion. Ah, si, ça peut être intéressant. Je dis propulsion, hein, c'est, j'aime l'humour. Soyez comme moi, aimez l'humour. Ok, j'ai garé mon cul. Bah du coup, quand j'en bouffe un peu le cul, enfin, quand j'utilise mon petit coup de ziboubui là, et bah ils aiment pas trop, ils me laissent tranquille pendant un certain temps. C'est déjà une très bonne chose en soi. Vas-y, attends. Ok, tu bouges pas hein. Enfin je parle moins, tu bouges pas hein. Est-ce que peut-être entre les cristaux? Non, ça c'est du lithium. Si je... Attention! Ok, il veut pas. Ouais, 650, en fait je suis obligé de m'arrêter là, donc il faut absolument que je trouve du nickel si je veux continuer. Minerai de galène. Argentite. Calcaire. Ouais, faut vraiment que je me... Oh! Non, galène. Oh putain! Galène. Argentine. Mais putain, je veux du nickel! Le jeu il est méchant avec moi, il veut pas donner du nickel. Là, c'est des mines de titane. Minerai de cuivre. Mais on s'en fiche. Après, je peux essayer de m'approcher de la... Non, ça c'est du... Ça c'est du décor, ça. Pas d'oubli que j'ai pas oxygène infini hein. Bah lithium, putain, mais il y en a du lithium ici. Il y en a du lithium ici hein. Après je peux au moins avancer mon vaisseau jusqu'ici parce que... Oh ça m'a l'air... Oh ça m'a l'air peut-être prometteur ça. Titane. Oui non mais enfin... Normalement tu trouves dans la zone, dans ta zone limite, ce qu'il faut pour la zone suivante. Ça pourra que... Ouais, avant qu'une erreur subtile et non avenue de type Léviathan arrive, je pense qu'on va se ramener vers notre cibangé et prier pour nos vies. Non mais il est où? Il est où lui là? Mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert qu'avec l'Ocabangé je peux me défendre. Mon visage s'est transformé. Putain, je suis vraiment limite là hein. Fais chier.
Qu'est-ce qu'il y a d'autres endroits profonds qu'on connaît? Bah, il y a sous les nénuphars. Mais si c'est ça, c'est complètement con. Enfin, c'est complètement con. Non, peut-être pas. C'est peut-être pas le bon mot. Mais c'est un peu. C'est très problématique. C'est pas très pratique. Parce qu'en fait, ben, c'est pas exactement à cet endroit pile poil qu'on en a besoin, quoi. Putain, je suis en train de prendre tout le live. Attends, je prépare mon voilà. Oui, bah hein, ta mère, voilà. J'ai des arguments moi aussi. Non, lui il va mal le prendre de voir un truc plus gros que lui qui est stationné à côté de lui. Ta mère! Bon bah on va se garer là et on va espérer trouver du titane. Bah en fait, s'il n'y a pas de titane à ce niveau là, je sais pas quoi faire. Et là, ce qui serait sympa, c'est que je trouve aussi le truc à architecte extraterrestre, comme ça je remonte. Et je serais pas descendu pour rien. Putain, oui. C'est vrai qu'il s'est un peu fighté contre des Leviathans, donc bon. Par contre, ça descend. Ah oui, c'est vrai que ça descend. Attends, si ça descend, attends, qu'est-ce qui se passe en dessous? C'est peut-être là-dessus en fait, hein. Peut-être qu'il fallait. Ça nous amène jusqu'ici pour qu'on puisse prendre des minéraux de titane. Oh non, pas ça, c'est de l'or ça. Connard citadin. Par contre, c'est stylé. Plante multicage, j'aime bien. Oh, attends. Ça, c'est une planche, je crois. Ok, ça, on peut pas prendre. Par contre, ouais, ça, c'est une plante, ça. Un œuf de brie. Oh, je peux élever un crabe. Les hommes crabes. Qu'est-ce que c'est que ça, toi? Ce conduit hydrothermal. Je pourrais construire une base ici, hein. On va pas le faire. Distène, ça c'est des minerais de distène. Hein. Mais sérieusement, juste du. Du nickel. Juste un peu de nickel. Juste 3 de nickel. Comme ça, je peux descendre ici avec mon vaisseau. Je fais. Hey! Oh non, il y a. Attends, l'aquamanger est toujours là. Hein. L'aquamanger. Il est toujours là, c'est bon. Faut que j'aie des sauvegardes à tout va parce que si je me rends compte que l'aquabanger est détruit, bah en fait je meurs. Attends. Non, c'est de la magnétite. Je prends la magnétite dans le doute. Minerai d'argent, c'est cool. Dans le sens, bah c'est sympa, mais j'aimerais le truc qu'il me faut en fait. We could be immortal. Putain, faut que j'arrête de chanter. Ça va pas me l'enlever de la tête sinon. Minerai d'argent. C'est de l'or, c'est du distène. Ça c'est de l'argent aussi, hein. Il y a de l'argent, c'est cool. Oh, ça se trouve, attends, peut-être qu'il faut que je pense à un truc gazeux pour essayer de trouver. Non. Bon. Attends, on va revenir au truc qui respire un petit peu. Et on replonge après. Ah c'est cool, je récupère un lieu au fur et à mesure. Chose que j'aurais dû me rendre compte avant, chose que je me doutais avant aussi. Mais l'effet que là c'est officiel, c'est plutôt cool. Je vais peut-être aussi couper la lumière. On prend ça, hein, tant qu'on y est. Toi t'es pas du nickel, hein, t'es du galène toi. Ouais, t'es du galène. Hop là. Non. Putain, fais chier. Arrête-toi. Voilà. Ok, bon. Déjà, on va récupérer ça. Toi, je te place là-dedans. Ok. On sauvegarde à nouveau. Et on y retourne. C'est trop... Non, par contre, non. On y retourne dans le sens, voilà. Oui, y a pas de nickel, fait chier. Hein. Peut-être qu'il y en a un, mais y a un gros truc qui nous empêche d'y aller à pied.
Et sauf que c'est suffisamment profond pour que je puisse pas y aller non plus avec mon vaisseau. Donc bon, on a quoi manger. Salut toi. Alors peut-être. Oh, t'es quoi toi? Non, t'as Triops, on te connaît toi. Mais ça, on a un plein découvert là. Ouais, y'a un grand mètre cristal là-bas, je pense qu'il faudra peut-être que j'aille vers là-bas. Hein. La logique voudrait que... Oh, sinon là, ça descend bien. Hein. Yoko. Putain, mais faut que j'arrête de chanter. En vrai, ça me rassure aussi, dans un sens. Parce que là, je suis quand même à une profondeur de 750... Non, c'est encore un 9 dame crabe. Je suis quand même à une certaine profondeur qui est de type dangereux. Ouais, la prochaine fois que je fais ce genre de conneries, il faut que j'arrête le détecteur. Hein. Là, c'est là où on était tout à l'heure. Donc toi non plus, tu n'as pas changé, hein. Putain, fais chier le nid. Oh! Nickel, 1! Ok. Ils sont dans les murs! Ils sont dans les murs! Putain, il est juste hyper sombre, un peu comme la magnétite, quoi, que je trouve ici présentement. Merci. Que je trouve ici présentement. Bordel, quoi. Ça se trouve, je suis passé à côté de nickel depuis tout à l'heure. Non, ça, c'est du lithium. Distène, je prends aussi dans le doute. Putain, on a un truc de nickel là, c'est le début de la fortune. Dommage que je dois remonter tout en haut pour construire mon module de pour pouvoir descendre plus bas. Ça c'est nickel aussi ça. Let's gong! Bon, je dois remonter malheureusement. Mais là, c'est un très bon début. Il faut juste. Ah, wesh alors! Comment ça va, ce Dark Eye? Ok, donc le nickel, ça se trouve dans cet endroit-là. C'est bien noté. Je vais pas couper les piles, moi, pour économiser l'énergie. Non. Tu retournes ici. Je vais arriver de sieste. Eh ben, sache que j'en ai fait une aussi. D'où le fait que j'ai un peu commencé le live un peu plus tard. Ok, j'ai déjà deux nickel. Ce qui est. On va dire nickel, voilà. Merci moi-même pour la blague. Ok, je retourne là-dedans. On trouve le nickel, on est content. Et on se casse. Ou alors, j'essaie de trouver un petit peu le truc d'architecte qui est dans le coin. Non, ça c'est du Galen, connard citadin. En ce moment, c'est un peu ton heure standard de start. De start Liverpool. Oui non, il y a un connard là-bas aussi. Je récupère. Je l'avais postconné. D'accord. Moi qui croyais. Vu qu'on l'a croisé plusieurs fois. D'accord, putain. Eh non mais toi faut que tu fasses quelque chose avec ta correction hein. Dis-lui de fermer sa gueule hein. Un pochon des ténèbres, attends je vais peut-être prendre ce. Non, c'est un pochon classique. Mais je vais quand même le prendre pour agrémenter le futur aquarium de ma deuxième base. Mais c'est vrai qu'avec les siestes etc tout ça, le fait que je mange tard, ben les lives commençaient un peu plus tard en ce moment. Ces temps-ci. Non il faut du nickel avant que je. Hein. Avant que je. Le problème c'est que c'est super sombre. Un peu comme l'homme de Sodarky. Parce qu'il est tellement Darky, vous voyez. C'est écrit même dans son nom. Le mec est tellement bresson que voilà, il a son pseudo c'est Sodarky. Avant que tu. Voilà, avant que je. Avant que je revienne, bordel, je dois pas rentrer à la base les mains vides. Les gens vont se moquer de moi. Il me faut donc ce nickel. Pour que tout soit nickel. Bon, la prochaine fois je prendrai le détecteur de matériaux et nique ça. Allez, nique ça hein. Avant que je. Non, on peut pas me laisser là-dessus, j'ai besoin de 3 nickels, il m'en donne 2. Hein. On va pas partir là-dessus. Ça c'est juste ça c'est de l'argentite ça. Connard citadin. Ouais, je suis trop brosson. Ouais, mais c'est joli, t'es trop brosson quand même, mec. Hein.
peut-être à cet étage-là. Non, ça c'est de la magnétite, on y est presque. Ça c'est de la magnétite aussi, mais on y est presque. On tient le bon bout, on tient le bon bout. On tient le bon bout. Sauf qu'il est pas assez bon. Merde. Juste un. Ouais. Revenons au jeu, s'il te plaît. Je veux tenir le bon bout. Putain, mais. Il me faut 3 nickels, j'en ai que 2. Quand est-ce que le jeu va dire. Hé hey, j'ai oublié d'être sympa, tiens, voici le dernier nickel. Bon, je vais aller vers les cristaux, hein. C'est peut-être ça la clé de l'histoire. Hein. Parce que sinon, ça serait où. Ça serait vraiment au-dessus de ça. Parce que nickel a l'air de vouloir dire. Hé hey, regardez, je pousse en hauteur, je suis trop ouf moi. Sauf qu'on se rend compte. Ah oui, attends. Oui, on se rapproche du grand truc de cristal, mais. Ouais, ça ressemble vachement à un truc de l'or, ça. Mais c'est pas là où on était tout à l'heure? Oui, c'est là où on dansait la gigue avec l'autre truc. Oh! Alors, du Diems? Ouais, mais. Ça me fout dans la merde de faire ça, non? Parce que là, faut que je revienne à mon vaisseau, moi. C'est pas nickel, mais oui! Mon petit body là. Au pire, si on trouve son body là. Et on se casse. Non, on... Mais si il continue par là, c'est. Vas-y. Ça se trouve, il y a un truc pour respirer. Ok, il y a un truc pour respirer, c'est sûr. J'espère. Ok, bon. D'accord, c'est ça qui a fait ce bruit. Putain, j'ai cru qu'il y avait un monstre. Ok. Et non, c'est pas nickel. Ça sera pas nickel, ça sera bien. Ça sera pas nickel. Là, si on trouve un... Ceci, il est quand même. Si on, là, on va trouver, je pense, le dernier morceau de cadavre et tout qu'il nous faut. Ensuite, on se casse. Mais avant tout, il faut du nickel. Pour que ce soit vraiment nickel. Et ceci, c'est un semi de mots foireux. Oh, y a rien de spécial en fait. C'est stylé, par contre c'est stylé. Y a pas à dire, c'est stylé. Bonsoir. Ceci est un vagin d'architecte. Non, il laisse les jeux de mots professionnels. Non. Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. Alors. We've scanned all the components we need to make a storage body. A body. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call. Comme de l'optimisme modéré, c'est beau. Ah, par contre, la prochaine étape, ça va être où est-ce que je construis ça. Mais par contre, la prochaine étape de l'histoire. Parce que notre prochaine étape à nous, c'est de trouver du nickel. Attends, on est vraiment en dessous de la base en fait. Hein. On aurait juste pu creuser en dessous et on atterrissait dans la bedrock quoi. Faut encore jusqu'à la bedrock, on trouvait ça et let's go. Bon, allez, on va remonter. Et derrière, il va nous dire il y a une base à l'extérieur sur un glaçon. J'ai sauvegardé. L'aquabanger encore là, ok. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a du nickel sur le chemin là et ça serait parfait. Ça serait farpé, ça serait nickel. Et tu créerais une fuite d'eau. Pourquoi je crée une fuite d'eau? Bah pas dans la base même que je vais pas creuser, mais qu'il est con. Je vais pas creuser dans ma base. En dessous ma base. Mais il est fou lui. Il y a du diams. Mais pas de nickel.
Je du nickel. Si j'étais un aquabranger, je serais par là. Ok. C'est pas le moment, hein. Ouais, mais moi je peux pas respirer indéfiniment, bro. Non, c'est pas ici, hein. Dis. J'aime pas trop ça. Ta gueule. Donne-moi du nickel ou casse-toi. Là quoi manger, ok, c'est bon. Avec toi on sait jamais. Je te merde, voilà, c'est tout. Grosse argumentation. Parce que je veux du nickel, en fait, je suis concentré sur une tâche plus importante que blâmer Sodarki qui a un manque de foi consternant. Je veux du nickel, s'il vous plaît. Après la théorie qu'on puisse en trouver en dessous dans la zone des nénuphars, c'est pas déconnant parce que c'est une zone qui ressemble à... Enfin non, c'est pas le même... Non. Je veux dire, ça ressemble à ça niveau couleur, mais oh. Apparition vachement expliquée. Oh, oh oui, l'aqua. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? T'es pas le plongeur le plus mouillé de la planète, hein. Attends, j'avais lu des conneries dans le même genre. T'es tellement con que tu mérites d'être chauve tellement t'es con. Il y a un truc qui s'appelle Bref de comptoir là sur lequel je suis tombé. Ah! C'était assez rigolo. Oui! Great. What's next? Let's get you out of my head. First, you must find the fabrication facility. It is concealed at some depths. Fabrication facility? So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice the change. Voilà, c'est déjà ça. Par contre... Le truc de fabrication, c'est là où on l'a trouvé la première fois. Oh, déjà, attends, déjà, on va pouvoir passer par la mission de Micheline. Maison de Micheline. Ta gueule faible, laisse l'entité sourire dire les choses intelligentes. Ah, il fait du mansplaining là, le Alan. C'est bien d'être à nos coutumes. Maison de Micheline, ouais, on va aller vers Micheline. Canon paré. Ouais, c'était vraiment limite limite, hein. Putain, avant de valider ma connerie. Attends, avant de partir tout content sur ma connerie, j'ai quand même Oui, 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 3 morceaux de nickel. Et là il m'en faut 4 et je vais me pendre, je pense, si c'est le cas. Dans le jeu. Sinon j'ai juste rage quitte. Minerai de nickel 3. Ok, let's grong. Et tout compris de patriarcat, c'est intégral. Ouais, c'est un peu comme Ken dans Barbie. Bientôt, tu vas voir Alan qui va demander des chevaux. Il dira, ouais, mais en fait, les humains sont supérieurs à nous parce qu'ils ont des... Tu fais l'idée d'organisme public, bah, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Ah oui, c'est ici que j'ai fait un peu de jonglage. Attends, Micheline, il est où, là? Non, ça, c'est ma maison. Ok, faut que j'en parle. La gueule. Putain. Ok, je te balance à Twitch. Bon bah en plus je comptais arrêter les lives donc c'est parfait, hein. Vous facilitez le travail très cher. Bon. Bah ça c'est cool. Oh no, et bah voilà, t'as voulu provoquer, tu récoltes ce que tu as semé. Ou ce que tu voulais semer. Bref. Bon, alors on va Micheline, disons-lui qu'on est totalement happy parce qu'on a aidé notre sœur qui est défunte. Donc on l'a aidé mais à titre posthume. Et puis les secondes.
Et aussi la remercier pour avoir nous avoir permis de prendre une douche. Oh bah attends. C'est pas scanné ça. Bon, on se rapproche dangereusement vers la fin du jeu là, c'est plutôt cool. Combinaison de filtration d'eau récupère l'humidité du corps afin de l'eau propre et potable. Let's go. Notre transpiration pourrait être utile. Ça c'est un manchot. Et là il me demande du nickel. Et là spoiler, il me demande du nickel pour avancer. C'est parti. Maison de Micheline, ouais. Ah mais j'ai oublié de récupérer ma balise. Bon tant pis, de toute façon j'ai pas retourné, j'ai pas retourné ici donc Aïe. Barracuda. Merde. On va sauvegarder avant que je me fasse bouffer par son bestiau quand même. Salutations. Nique toi en fait. Bon ok. Bon bah nique toi. Le vent. Le vent le plus total qu'il nous a foutu là. Par contre la question c'est... Ouais en fait je vais trouver une niquette peut-être pour aller plus en profondeur pour ensuite me casser de cette zone en fait. Enfin de... Mais attends je la refais. Je préférais te laisser dans la merde. Tu remplaces Micheline là ou... Ok, non c'est par ici. Non c'est par là. C'est par ici je crois. Mais ouais. En fait c'est peut-être qu'il... Le nickel c'était pour qu'on se fasse le module de profondeur pour pouvoir atteindre les derniers morceaux du corps. Sauf que finalement c'était... Enfin... C'est pas le plus nécessaire quoi. Mais c'était peut-être plus rassurant de descendre avec le... l'aquabangé qu'avec... que sans. Que un peu-ton. On va aller vers le symbole. Pilote. Aïe. Je prépare le zoop. Aïe. Et direction maison. Ah tu es dans la position comme connue du pilote. C'était le pilote. Oh toi. Oh toi, mauvais endroit, mauvais moment. Hein. Voilà. La puissance du de l'aquabangé. Qui tabasse les créatures sur son chemin. Oh, toi t'as de la chance de pas être sur mon chemin toi. Assassin, c'est lui qui a commencé. C'est son espèce qui a commencé à me grignoter, donc je me sens en légitimité de lui défoncer sa race. Et là c'est pas de l'assassinat peut-être là ce qu'il vient de faire. Il a bouffé un poisson. Alors que moi, pas besoin de ça. T'as maté la race BG3 Spidon, ouais. Enfin, je l'ai regardé à moitié parce que je faisais autre chose en parallèle. Mais j'étais bien là pendant qu'ils ont dit Alors, sachant que sachant qu'au Broker est un ours d'actuellement 3 tonnes. Merde. Est un ours d'actuellement 3 tonnes. Qu'est-ce qui se passe si elle saute... Non, d'un ours de 5 tonnes. Qu'est-ce qui se passe si elle saute directement sur le boss? Et ben elle le tue. Et là, paf. J'étais assez hilar, voilà. C'était assez... Alors, les commentateurs étaient bien. C'était bien foutu le truc. La première maison, la maison de type léger. Donc genre on va pouvoir aussi revenir les matériaux restants. Alors déjà attends, oh, il y a tellement de choses à faire, c'est merveilleux, Attends, on enlève ça, attends, tac. Oh, t'as entendu les assassins? Oui, quand ils touchent d'alerte aussi, oui. Là j'ai ce qu'il faut pour fabriquer des modules, certes, mais j'ai aussi ce qu'il va falloir pour manger. Voilà, bon, il va falloir que je fasse une petite radia. Toi, je te laisse là-dedans pour l'instant. Attends, le construit d'habitat, je prends au cas où. La pile aussi d'ailleurs. Perso, je l'ai raté, mais bon. Bah, après, tu t'as pu regarder les VOD, non? Le Disten, les minerais. Bah, aussi, on va prendre ça aussi au passage. Ok. On détache.
Allez. Welcome aboard, Captain. I'm back, bitch. Ah oui, du coup, j'ai pas regardé le poster qu'on avait débloqué la dernière fois dans le... Quand on était dans la cabine du garde là qui gardait le Léviathan. Le gros Léviathan mort. Bah, il y avait ça dedans. Enfin, non, pas ça, mais il y avait ça. Ce truc là, on l'a pris. Ça, du coup, c'est le Léviathan de ces morts dragons là de Subnautica 1. Et ça, le Léviathan faucheur de Subnautica 1 aussi. La différence de taille, bordel. Je suis rattrapé la Run Pride pour 100. La Run Pride pour 100 ? J'ai pas tout regardé pour l'instant, j'ai encore la page de Speedon ouverte là, mais j'ai pas tout regardé. Ça je le prends. Ah oui, la combinaison polaire, je vais l'essayer, c'est vrai. Il y a un truc que j'ai pris en plus, ouais, ça. L'arme de luminance. J'ai pas regardé ça. Attends, tac. Y'a pas de miroir. Y'a un succès déjà, mais y'a pas de miroir, merde, c'est vrai, je suis con. Attends, je vais faire ça après. On va faire ça avant la fin. Parce qu'en fait, faut que je prenne le manchonnet espion, sortir et me prendre en photo avec. Oui, d'ailleurs, en parlant de tenue, j'en ai découvert une autre tenue. Attends. Il y a chaque chose en son temps. Voilà, il faut que je prenne le module de l'aquatracteur. Mais c'est vrai que il y a un truc qui m'a fait marrer aussi, c'était les commentaires des personnes qui faisaient le don. C'est en mode, moi qui ai voulu prendre 3 semaines pour pouvoir me faire Badius Gat, alors que finalement une pause goûter suffit. C'est assez marrant les trucs. Et maintenant à 2000 mètres. J'étais pas à 1000 mètres moi. Donc il y a encore un truc à faire dans les profondeurs. C'est plutôt chiant ça. Vas-y, on monte tout doucement. Je crois que j'ai regardé la run de Spyro en live. De Spyro 3. Enfin, j'ai regardé, je faisais autre chose à côté quoi. Mais je le mettais en fond. D'abord ça. C'est quoi module d'amarrage. Ouais, c'était module d'amarrage. Et module de téléportation. Ça, dans la case au hack de Super Mario World 3, plus limité 100% et Yamil Sezi qui consiste à faire le run prep qui contient des hauts bonus. D'accord. Donc, déjà un truc qui est horriblement dur, bah là c'était encore plus dur quoi. Module de téléportation. Attends, je tente un truc. Voilà. Module est parti de l'autre. Ok, let's go. Vite! Récupère ça avant qu'il tombe dessus! Bon, normalement ça va être bon. Module de téléportation, on va les emboîter. C'est dans l'autre sens, connard. Non, c'est pas dans l'autre sens, là, c'est à l'entrée. Ah, je peux pas les emboîter tant qu'il y a pas le... Ouais, non, je peux pas les emboîter tant que c'est pas le truc manqué. Non, ça partait si bien. Y'a pas de courant. Ah, c'est qu'avec le courant que ça fait ça. Bah non. Après, vu que c'est tout nouveau, peut-être qu'il fallait brancher au moins une fois. Voilà, bon. Manque plus que le truc d'aquarium et de lit, et c'est bon, c'est parti, hein. On a ce qu'il faut. Hein. Ok, ça c'est fait. Par contre, la prochaine étape, c'est on va préparer les trucs du machin là. On va s'en mettre ça dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bec?
Ah mais attends, il y a la combinaison Prown aussi. Oh my fucking god. There is a combinaison Pride too. Parce que j'ai fait un peu une veine d'amarrage exprès pour ça quoi. Alors je sais pas si ça va me servir au final, mais au moins je l'aurai. C'est un peu les humains de la science quoi. On n'a pas forcément une nécessité de le faire, mais on le fait parce qu'on peut le faire. Et là il te faut du nickel. Non. Ouais, j'aurais peut-être besoin de nickel pour la suite mais... Oh oui. Poussée verticale. Oh oui. Tayo. Bon, faut que je vois comment brancher ce bordel mais Ah oui. Everybody was kung fu fighting. Hey. Ah oui, pour construire le corps, oui, le body. Le body du mec d'ailleurs. Alors dans cette situation, attends, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant pour la combinaison Brown? Ça peut être sympa. Le petit body, ouais, on va faire ça après. Cube ionique, pantalon ruban, distance. Ok. Oh putain, oh la vache. Attends, j'ai un gold plastacé sur moi. C'est pour faire quoi que j'avais pris ça? Attends. Diamant, magnétite. Je comptais faire quoi avec tout ça? En vrai, c'est quoi le truc qui était prévu à la base là? De la merde. Bah, ça me ressemble pas de prévoir quelque chose pour faire de la merde. Donc il y avait une idée déjà de base. Non, j'ai pas de bras, pas de chocolat, non? Everybody was... Ah oui, c'était... Oui, c'est... j'en souviens. Non, attends, non, c'est pas ça. Caoutchouc en silicone, par contre, c'est ça. Évidemment, j'en ai pas. Évidemment, je vais toujours pas. Et non, je vais toujours pas, ok. Mais le caoutchouc contre de toi, c'est la vigne. C'est les, enfin, la vigne, c'est les boules. Les boules que j'ai actuellement. Et que je n'ai pas. C'est technique celle-là. J'ai les boules alors que j'en cherche. J'ai les boules mais j'ai pas les bonnes. Qui suis-je? Mais les couilles, elles sont devant nos yeux là. Bah merci. C'est coquille de la vigne. Non. Putain, mais ton correcteur, il faut que tu fasses quelque chose. Faut que tu fasses quelque chose à ton correcteur. Ah mais oui, attends, j'ai tellement de choses à faire. D'abord. Pourquoi j'ai un truc de titane en plus? Enfin, déjà ça. Enfin, un truc de. Des lingots de plastacier. Le Devadul facilitates instant travel to a paired C-Truck teleportation module. Ion cube required for use. Comment ça? Oh putain, faut. Bref. Pardon? Combinaison de filtration d'eau, fibre synthétique. Oui, bah évidemment, hein. D'accord. Équipe limitée de l'eau, ouais, bon, je sais pas si ça va être. Ça va être dangereux de l'avoir, mais bref. Ok, donc ça voilà. Donc il va falloir un cube, j'imagine, pour synchroniser le bousin. Donc je vais prendre le cube. Attends, il faut déjà un cube pour ça. Il faut 3 disten, un autre cube et des couilles électriques pour ça. Les couilles électriques, j'en ai en stock. Du 3 disten, j'en ai pile poil 3, c'est très très cool. Donc ok, donc ça j'ai déjà quoi faire les organes. Donc il aura une grosse paire de balls. D'ailleurs, il faut un diamant en plus pour la suite. J'ai un diamant en plus.
Il faut des boules jaunes. J'ai deux boules jaunes, c'est parfait. Il faut des sacs gélatineux. J'ai deux sacs gélatineux, c'est parfait. Alors, maintenant, les trucs marrants. Dans le sens pas du tout du mot marrant. Les produits chimiques. Parce que c'est de la polyanthine, ouais. Il faut de la polyanthine, il faut de l'or et de l'acide chlorhydrique. Pour l'acide chlorhydrique, il faut des pots de sel, trois trucs cotonneux là, ok. De l'or. Et trois trucs cotonneux. Welcome aboard, Captain. Arrête de faire la lèche-cul. Personne n'aime ça. Ah oui, il faut du sel, il faut du sel, il faut du sel. Et vu que j'ai pas de saut d'arki sur la main, j'improvise comme je peux. Ok. Donc maintenant, il manque plus que la fibre synthétique. La fibre synthétique, on l'a actuellement ici présentement. Il faut de la spiralière coupée et du Rubik's. Rubik's le gaulois. Et j'ai pas de spiralière coupée. Heureusement, j'ai des stocks de spiralière. Ok. J'aurais essayé. Fibre synthétique. Maintenant que j'ai tout. On va mettre ça dans le truc prévu à cet effet. D'ailleurs, attends, je vais le décoller parce que. Ça passe ? Ça passe ! D'ailleurs, j'ai réparé, j'en profite pour le réparer. Aïe. Tu es dedans ou pas ? Moi pendant le sexe. Pendant que je pratique le sexe avec les gens. Est-ce que je suis dedans là ? Ah, c'est bon, là je suis dedans là. Mon sel se mérite. Et bah tu vois, donc je préfère de pas passer par cette case là. Ah, je peux pas rentrer par là en fait. Attends, on va tester un truc. Let's go! C'est stylé quand même. Ok, donc ça on dégage. Alors, il faut 3 distènes, un cube ionique, les couilles, sac gélatineux, ça et ça, ça. Il faut 3 diamants et de la gold plastacier. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Et ça, comment je fais pour le synchro? Ah d'accord, c'est faut un truc pour l'utiliser. Ok, d'accord. Bon. J'ai allé aux toilettes avant de faire quoi, avant de continuer à faire quoi que ce soit. J'ai allé aux toilettes, donc je reviens et je vous dis à tout de suite. Et zou. Et heureux. Attends, tu vas te lever ou te laver? Donc. Attends, on va refaire le truc. Je vais aller faire un petit connerie avant quand même. Je vais voir à quoi je ressemble dans ma tenue polaire. Parce que oui, le pingouin ne fonctionne pas là-dessous. Donc voilà. Normalement, il y a de l'iceberg pas très loin. Hein. Ouais. Parce que donc. Là, il a dit. Ouais, faut retourner au truc de fabrication là dont. Enfin, le truc de fabrication. Le truc de fabrication, c'était quoi? Ouais, d'accord que c'est le. Ah putain, mais il va faire nuit. Vas-y. Oh, c'est stylé. Da. Mais qu'est-ce que c'est fait? Oh putain. Ouais, bah c'est pas une jeu pose, hein, tant pis. Ok.
Et si je vais en dessous là, combinaison prawn, à quoi manger? Ça reste une tenue dans laquelle je peux voyager. Ok. Non mais pourquoi je reviens ici en fait? Je vais voir comment, enfin je vais essayer d'améliorer un peu mon truc de... Je préfère partir là-dessus parce que... Ah quoi? Ah quoi. Je vais laisser dans le coffre en fait de la quoi manger parce que si je vais... Si le truc c'est à la surface, eh ben j'aurai besoin de ça en fait. Donc pouf pouf pouf, attendez, on récapé pète. Qu'est-ce qu'il faut pour la combinaison brown? Parce que ça, it is a good. Il faut ça, 3 de titane, 3 de titane, 1 de lithium. Bien sûr, il manque un de titane. Hein. Il faut ça. Module de profondeur, du verre émaillé, rubis, fibre synthétique. Putain. Nombre levé, d'accord. 3 rubis, j'en ai que 2. Ma vie, c'est de la merde. Après, j'en ai dans l'autre base, donc ça peut être intéressant. Je prends. Fibre synthétique, on a dit que c'était quoi fibre synthétique? C'était... Merde. Rubis, spiralière coupée. Putain, il faut plusieurs rubis. Il faut 6 de rubis, bordel. Tu as bien lu, d'accord, ok. Vert, plomb, diamant. C'est pas une invocation de Naruto. Diamant, mais j'ai pas de plomb ici en fait. Oui, plomb, j'ai déjà eu tout de suite. Enfin, j'ai déjà tout rapatrié à l'autre base en fait. Putain. Heureusement que je suis bien organisé, hein. Sauf que j'ai besoin de... Enfin, ça je peux le faire que ici, non? Ah non, je peux faire ça, je pourrais faire ça à partir d'un truc de fabrication standard, ok, ça c'est cool. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant. Bras grappin. Réussir à conçu pour c'est juste un. Bras torpille, non, on s'en fout. Bras de forage, putain, il faut des trucs. Faut que je retourne à l'autre base si je veux améliorer ça. Maintenant il faut un diamant en plus du coup. Bon. Putain, je peux rien faire en fait ici. Parce que il faut bras de forage, ça oui, ça c'est un plus. Tire un grappin pour se mouvoir plus rapidement dans l'environnement. Ça c'est un très très bon plus aussi. Kit de câblage avancé, donc kit de câblage avancé, en théorie, j'ai minerai d'argent. Ça. Il faut de l'or. Il faut du cuivre. Kit de câblage. Parce que si bon, si j'arrive dans un endroit où il y a besoin de ça. Benzène, il faut des spores en fleurs et de la plante à ruban. Des spores en fleurs, j'en ai pensé à ramasser la dernière fois. J'en ai qu'un. Fais chier. Et sachant que le spore en fleurs, faut que je retourne au niveau du. Sous les nuvards pour en avoir. Donc, ben. Je vais prendre ça aussi dans le doute, mais bon. Le manchot, on peut le laisser, hein. Quoique, non, c'est de pair avec ta tenue, donc dans le doute. Plante à ruban, ok. Bon, mais il faut du titane, il faut plomb vert, il faut du rubix. Il faut la spirelière coupée, je vais en prendre aussi, il faut que j'en prenne. Ah, je crois que j'avais déjà un rubis sur moi, en fait, non? Puis du titane, bah j'en aurai aussi sur place. Enfin, le titane, non, faudrait que j'en ramasse sur le chemin, je pense. Donc ça c'est pour mon matos. Ok, certes. J'ai rapporté tout ça là-bas au truc. T'as un truc de stockage, t'as un truc de fabrication, t'as un truc ici et t'as un truc ici. Éjecter le véhicule à marée. Non. Sortir de la quadrature. Non. Ah, je peux rentrer par le cul. D'accord, ok. Et je peux rentrer par le cul d'une autre manière. J'ai ça aussi. J'ai du titane en plus. Titane en plus, comme ça on pourra faire le module qu'on souhaite. Amélioration. C'est parti, let's go. Ok. Oula, merde, j'ai cliqué à côté, c'est bon, j'ai rien stoppé. Ça tu peux dégager.
C'est quoi le 1 que j'ai en plus là? Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Ok, donc cette sorcellerie. Ah, combinaison, ok, d'accord, oui. Un peu de lore. Ah, parce que cette photo, j'aime bien les magiques. Ah, attends. Ah, si, elle regarde quand même un petit peu le truc, mais elle est pas positionnée devant quoi. Recherche, non. Journée de communication. Altera. Elle a un petit peu de. Un petit peu de lore. Investigation notes. Omega Lab was first breached by heavy impact. Perhaps from a sea track modified with some sort of battering implement. A localized explosive charge was then released and detonated from a distance. Lab equipment was damaged to the point of inoperability, and all live specimens were destroyed. No personnel was injured. Samples have been collected for analysis to determine whether any bacteria escaped. It is, however, unlikely. The heat of the charge should have boiled everything within a 10-meter radius. Je suis en train de me battre contre ma sèche qui est en train de. Contre ma chaise qui est en train de descendre d'elle-même. Rapport d'excavation au site Alpha V. My investigation of the fire excavation site, including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage to Altera survey equipment and significant structural damage to the natural cave entrance and supports. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties, Pavan Ivanov and Samantha Ayu. Both bodies were found beneath the rubble at the cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Poor souls. What was Ayu doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? D'accord, donc en fait ils ont un doute comme sur le fait que c'est elle qui a fait ce truc. Ou alors ils ont aussi implanté le fait que. Enfin, dire que c'est de sa faute aussi le truc que Michin a fait quoi. On compte avec Zeta. Oh, you brought a friend. Spy pangling and training. We're recording audio, is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Coral pustules on the frozen leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the Snow Fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the penglings. Exactement, ces sont là, ouais. Yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. Ouais, elle m'a l'air un peu fourbe celle-là. Hein. J'avais que les pattes alors. Bah bravo. De toute façon, après, pour l'instant, j'ai pas encore d'indication de où je dois précisément aller. Sauf si c'est vraiment le truc de la dernière fois. Attends, juste faire le truc pour combien ils ont prendre tant que j'y suis. Comme ça, je vais vider un peu l'inventaire. Non, pas le stockage. Ah, les améliorations. Voilà. Et puis les bras, bah, on les fabriquera. Hein. Oui, il faut aussi que je me vide l'inventaire. Hein. Non, c'est pas ici. Attends, j'ai du titane aussi ici. Tac, tac, tac. Ah, j'ai pas cette place. Fuck. Fuck. Attends, j'ai combien de trucs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 18, 16. J'ai 16 trucs. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 15. Fuck. 1, 2, 3, 24, 12. Fuck! Ah, je pourrais ranger les trucs ici. Non, pas ça. Non, pas ça non plus.
Pas ça non plus. Ici. Voilà, j'ai mis la petite tenue d'espionnage. Les manchounets, on les met là-dedans, même si c'est pas, on s'en fout un peu. Chose intéressante ici, on va mettre ça là. Tout ce qui est... Mais qu'est-ce qui se cogne là? Y'a rien hein. Ça, attends, les 1, 2, 3, 4. C'est 4 diamants pour le bras grappin, ouais, donc 4 diamants. De titane. Le lithium il est où? Il est... Putain c'est plomb ça. Ouais donc j'ai pas de lithium en fait sur moi. Alors 4 diamants, le titane, lithium. Attends, non je vais prendre ça avec moi. On va mettre le titane aussi là-dedans. Putain j'ai encore plus, j'ai que mes caoutchoucs avec moi. L'or c'était pour quoi faire l'or? Parce que attends, le verre émaillé j'ai pas besoin d'or. Ah putain, la spiralière, j'ai failli partir sans. L'autre c'est tac tac, là c'est machin. Ok, donc ça il faudrait ça. Ça faut que je garde avec moi pour le cube. L'eau, bah c'est de l'eau quoi, c'est cool. La magnétite, ah oui, c'est vrai que j'étais en trop ça. Ça c'était en trop. Les rubix, l'or, tac, et le quartz. Non, le quartz, vas-y, ouais, le quartz on va le laisser ici. Les rubix c'était pour ça, ouais. De toute façon, en plus ça tombe bien parce que j'ai plus de place. Donc, ok. Je vais prendre la spiralière. Et ensuite, je vais continuer un peu de l'or. Bon, au moins la partie Altera, quoi. Ne serait-ce que la partie Altera. Voilà. Oui, sauf que là, ici, c'est plein, évidemment. Forcément, c'est plein. Donc, attends, je vais retirer un peu un truc. Voilà, comme ça. Il est priorité. Celui-là, on va le mettre ici. Ok, donc ça, c'est Wood. La suite du lore. Ok, non, ça c'est parce qu'il avait expliqué des choses. Et la ressource de la recherche. Hi, you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. Why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. I love you et je sais que je t'adore, c'est pas pareil. Hein. Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something. And then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Ah, ouais, donc c'était avec elle qu'elle sortait, je crois. Où elle a dit, hey, j'ai une relation amoureuse, et le truc, le message après, oh finalement, laisse tomber. Zeta, I have kind of a funny question for you. Have you picked up any kind of unusual interference during any of your robotics work? You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No, like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking? Huh, can't say that I have. Why? So it doesn't extend as far as the bay. What doesn't? When Fred was bringing me for my eval, we detected something, almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. You always think that. Look, it may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Not that HR seems to care. I won't breathe a word of this to Emmanuel. Thanks. You're a good friend. Emmanuel la merde. Ouais, mais sauf que Zeta, j'y crois moyen. Emmanuel la merde et Zeta, elle fait forme. Hein.
My dearest Adeline et Rosita. Not dearest. Who says that anymore? Adeline, Rosita. Everything on the mission is going very well. Do you see now? Your doubts were on. Il est juste mort d'un éboulement, mais. Rosita will say, Papa, why do you have to brag all the time? Papa, it's embarrassing. I want to apologize. Non, je vais sortir. Okay, no, that's taking things too far. Je vais me faire à manger. I know you leave things on the best note, but I want you to know I love you and I miss you. I don't know why I say the things I say sometimes. They just come out. I was going to send you a message saying how great everything is here and how everyone loves me. I've had a promotion to a very important security dossier. I'm treated like a hero. Alors ça, je suis pas sûr. This is a cold, wet planet. The scientists are full of themselves. There's no action to speak of. The only thing I look forward to is weekly games of Alien Intruder, but more than that, of coming home to you. I am sorry for all the times I did not appreciate you, of our family, or the good life we had. And I... Who am I kidding? I can't send this. What's the use? Eh ben, il était un peu triste, Michelin, là. Voilà, ça fait du bien. Alors, la suite du lourd. Il reste encore combien? Ah, il reste... Ah, c'est bon, il reste encore plus beaucoup de messages pour Altera. Jamais je déteste explorer ces tunnels. Elle démontre la puissance des vers de glace. En un instant, ils parviennent à percer une quantité considérable de glace quand cela nous prend des jours. La manière dont ils creusent est incroyablement efficace. Altera rêverait de disposer d'un tel potentiel. Les vers de glace mettent au jour des poches riches en minéraux en creusant. C'est si risqué d'aller sous la surface. On a déjà perdu tellement de gens, je comprends pas pourquoi on doit rester dans cette zone du glacier en particulier. Je pourrais essayer de sortir de ce trou de glace. Bref. J'espère que tu profites du calme, tout relatif de Copa. D'accord, ok. Ah! I challenged your spy pengling to a foot race earlier. Because you got tired of losing to me? Ouch. What if I've been letting you win so I could see you smile? Cute. But I don't believe it. There are easier ways to make someone smile. Easier than losing a foot race? Oh, I think you're a woman with many talents. What are you implying? The artwork that appeared in my lab the other day? Oh, that. A study in Parhelion Red. I assume you had something to do with that. That depends. Do you like it? It's beautiful. Like the person who gave it to me. If I didn't know better, I'd say you were flirting with me. Do you know better? I don't know what I know anymore. Not when you're looking at me like that. Ouh là là, c'est moultement sympathique tout ça. J'ai bien aimé. Derrière, c'était quoi, Journée de Mercury? Ah. Là, Journée de Mercury, peut-être à voir pour la... Ouais, juste pour ça, surtout ça pour ça, parce qu'après, je sais quoi qui reste. Mais mots d'hiver. Les fils, ouais. Et votre équipe absorbe l'énergie que vous lui transmettez, un meneur et en quelque sorte une théière. Libre à vous de laisser votre équipe infuser dans une chaleur apaisante ou étouffante. Si vous souhaitez lui transmettre un sentiment de sérénité, vous devez d'abord apprendre à gérer votre calme intérieur. Voilà en quoi consiste la plénitude de l'instant chez un meneur. Nous allons en discuter dans le chapitre suivant. Mais avant cela, parlons d'un autre élément que nous avons tendance à négliger, le temps d'infusion. Après avoir usé de vos pouvoirs d'apaisement sur votre entourage, vous devez attendre que les huiles et les essences du thé s'adaptent à leur nouvel environnement avant de s'infirmer ou embaumer l'air. Un meneur apaisant peut faire la différence, mais rien ne résiste au pouvoir d'un meneur apaisant et patient. La gestion des tâches pour les pros, ouais non ça on s'en fiche. Personnel Altera, ah oui c'est vrai. Alexis Riediel, elle a l'air d'être une personne sympathique. Enquêtrice indépendante, transgove, sous la responsabilité de QG d'Altara, ok. Liliane. Alors normalement c'est notre pote elle, enfin c'est la pote de... C'était la pote de notre sœur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ah oui non, elle m'avait contacté elle, je crois. Attends, faut que je relise les messages du début. Scientifique expert, exonobiologie, sous la responsabilité de Emmanuel Desjardins, donc le connard. Projet en cours maintenance, projet précédent, intelligence et architecte, personnalité... Ok. Xénobiologie, ouais. D'ailleurs, Samantha Ayou, ouais. Scientifique robotique, sous la responsabilité de Emmanuel Desjardins. Projet en cours maintenance, projet précédent Manchounet Espion. D'accord. Ressources humaines, bah putain. Attends, mais c'était au tout début, c'était notre pote, elle, non? Enfin, elle nous a quand même contacté, non, au tout début. Sam, avis de décès.
plus ça sert qu'on les lance. Ah, Liliane. Est-ce que vous montez, souvent parler de vous, et pas une de ça, m'a que j'ai connu un, mais jamais livré d'esprit qui était qualifié de négligente. J'ai plus accès à aucune information. D'accord, oui, donc elle était sympa avec nous, ok. Ouais, c'est, genre, enfin, ouais, c'est pour ça. Elle est peut-être bizarre, mais elle était sympa avec nous. Jean de Mercury, on va quand même regarder, on va quand même écouter les trucs de Mercury. Well, we landed safely, despite my apprehension. Diana, damned adrenaline junkie, took one of her defining risks and it paid off. Why hire me as the maintenance engineering officer if you aren't going to listen to their advice? Ah, papa. I didn't go to school for 8 years and get 3 degrees for nothing. I tried to convince Diana that we don't need to stop for repairs. That's what the drift drive and the secondary propulsion system are for. Just a bit slower. But she's in charge, not me. On the plus side, I get to work with Yasmin. I didn't know she was such a busybody. She's been going around the whole ship giving folks a hand. I think she was getting on Diana's nerves, so she assigned Yasmin to me. She's helping me inspect and repair the thruster systems. I thought I was the most mechanically inclined person on the ship, but I think she has me beat. She can definitely teach me a thing or two, as long as I don't get too distracted by her smile. She's got the best smile. She got the best smile. Oh man, oh man, oh man. This is every xenolinguist's dream. I mean, I was helping with the planetary scans. Je crois que le Mercury s'est fait abattre, hein. Unknown structures on the surface. This could set my career up for life. The images are a little degraded coming through the atmosphere, but it looks like intentional and complex architecture, which means civilization, and civilization means language. Now, most of the crew wants to get home. I understand that, but this could be a defining discovery. I'm definitely going to put a bug in Diana's ear about going to the surface so I can take a team to explore. I desperately hope this pans out. Oh, I can't wait till we get into communication range with Sol again. Layla and the kids would love to hear this. I mean, it's rough being away from so long, but this might just make it worth it. I'll be able to give them so much more. Le jeu met des smileys dans le truc quand même. Ma fille me manque, et puis ça sera la dernière truc de John McCurry. I mean, the morning started off so well. I took a team of 6 out to find the structures from the planetary scans, and we were all in high spirits. I mean, who wouldn't be? These structures would be clues to another sentient race. It was highly unlikely that another colony would be out this far. We were going to be in the freaking history books. Everything was going okay. We were a few miles from the ship when our radios picked up an actual signal. It sounded like an SOS. We got overly excited naturally and decided to enter the water to follow it. Donc c'est après qu'il soit craché, ouais. That decision cost 3 lives. I mean, half my team. They got ripped to shreds by something. They died screaming. Ah. Alone in the cold dark waters. I'm not going back in that godforsaken ocean again. Ils sont fait choper par le animals on this planet, they look sick too. Weird pustules on the skin. Ils sont fait choper par le Viathan faucheur. I think we should leave. But Diana said we should stay. She thinks the biopatent payoffs would be worth it, but those families will never see their loved ones again. They don't care about no payoffs. We can't return the bodies. I don't care about the accolades or the history books. I just want to see Layla and the kids. Ah, oh, man. I miss the smell of my wife's hair. Mm. The kids tackling me at the door again. That's all I want. To get out of here alive. Please. Ouais, bah, mon poteau. Je crois que t'es mort. Parce qu'il connaissait pas la pustule Kara, n'importe quoi. La maladie Kara, donc. Enfin, la bactérie Kara, donc voilà. Recherche, ouais, bah, y'a pas mal de choses, hein. Ça va être un robot de programmable récupéré en dernier de terre et de roche. Les scans indiquent la présence d'un équipement semblable au laser. Ouais, machin. Présent indiquant un souffle. Ouais, bon. Scalateur à fossiles, générateur d'énergie. Obélisque. Il faut qu'on dise rien, mais les scans indiquent qu'il génère un puissant champ électromagnétique. Pardon. Appareil de transfert d'énergie, instrument scientifique et géomagnétique, nœud de machin. Statue extraterrestre, structure squelette.
Adjoint un matériau, son corps de résistance aux impacts le rend extrêmement difficile à briser. Tissu d'architecte. Oui, donc, alors son histoire de truc là. Parce qu'on apparemment on est au courant. Vous rappelez-vous de l'installation de fabrication? Vous devez retourner là-bas. Donc c'est un endroit où on était déjà. Il y avait quoi déjà en termes de trucs de fabrication? Il y a possiblement là où j'ai récupéré le corps. Enfin, l'esprit d'Anan. Et peut-être. Ah, truc de fabrication, c'était. Ah, attends, j'essaie d'avoir ma première théorie. Attends, je vais prendre un bouffé déjà. Je vais d'abord ma première théorie, c'est-à-dire aller en. Enfin, dans le truc juste en dessous. Ça mangeait, j'en ai, non? Non, j'ai pas pris à manger. C'est-à-dire là où j'ai récupéré l'esprit d'Alan. Même si j'avoue que c'est peut-être plus l'endroit qui était derrière les vers des sables. Enfin, les vers des sables, les vers des glaces plutôt. Vas-y. Ouais, ça va être chaud par contre, j'ai tout un bordel de package avec moi. Aïe. De toute façon, on est pas très loin, on était... Enfin, j'irais pas au-dessus directement, mais on était vraiment pas très loin, ouais. Faut que je trouve la crevasse, là. Pardon. Toi, tu Ah, c'est à ce niveau-là. Aïe, c'est plus là. Non mais casse-toi. C'était encore en dessous, c'était plutôt à ce niveau. Ah, c'était à ce niveau-là. Il est où? Viens ici, petit con, viens ici. Ah, t'as peur, hein? Oh, attends, t'es coincé. C'est bon, je pourrais réparer mon vaisseau. attends, c'était où ma connerie là? Et c'est ici. Au passage. Je parlerai pas depuis l'intérieur? Non. J'ai quand même regardé mes notes. Enfin, je vais faire ce que j'ai commencé à. Je parlais pas ça? Ah, c'est ici. Ok. Je sauvegarde avant de faire quoi que ce soit. Si c'est pas ce que. Si c'est pas ça que je pense. Enfin, si c'est pas exactement ce que je pensais, j'ai quand même regardé derrière les. La conversation quand il parle de trucs à fabrication là. Parce que là où étaient le étaient les organes, ça avait pas l'air d'être de fabrication aussi. Ouais, faut que je regarde le lore. Si c'est le cas, je prendrai les matériaux, je viendrai directement ici. Si c'est ça, je ferai ce que je viens de dire. Il ouvre pas sa gueule, donc c'est... C'est par ici. Let's go. Speedrun. Speedrun du jeu actuellement là. Salut vous. Ouais, ça sent quand même un truc de fabrication ça. Hein. Ah mais ça s'était cassé la gueule aussi non? Oh d'accord, j'avais pas eu le symbole en bas qui me disait qu'attention, il y a des trucs à scanner. Que de quoi? Ah non, c'était un confinement. Bon. Qu'est-ce que dit mon Pokédex là-dessus?
Alors que les sciences humaines avancées ont tenté pendant des centaines d'années de développer des techniques d'émulation totale de cerveau, il semblerait que les architectes aient construit une plateforme permettant d'obtenir le Graal. La technologie d'allongement de la vie. Oui, je suis en train de remonter ma chaise, en même temps, c'est de la technique. D'un point de vue physique, le cube, ce confinement semble être composé de 16 unités de couches de stockage holographique quantique, supportant une capacité de 1. Le champ d'énergie l'alimente non seulement par un cube animé suspendu, mais également le logiciel d'exploitation. Ok, faut que je regarde le lore alors. Alors, nous avons les composants nécessaires, maintenant on vous sort de ma tête, vous rappelez vos installations de fabrication, vous devez retourner là-bas, donc la station de fabrication. Enfin, j'espère un peu frangin que j'ai perdu les miens. Donc ça c'est ce que j'ai vu entre temps. Enfin ça c'est ce que j'ai vu là quand c'était en off. Je pense que c'est 1% sur les bactéries seraient propagées. Donc là, GG, t'as vengé ta sœur. Ce qui appartenait à Sam, je sens de nombreuses choses ici, la mort entre autres. Composant et sa construction de ma plateforme, ma construction de ma forme corporelle, il y a longtemps que j'ai pas été aussi proche d'être autonome. Et si je changeais de corps, pourquoi était-il si important, machin chose. Fabriqué lorsque j'extrais des composants de cubes ioniques. Le froid permet une grande croissance de corps, mais l'échantillon n'est pas très grand, ouais. Ils sont plus hypotents. Ils cachent dans les environs de la formation virtuelle qui nous en auront. Ok, donc là, non, c'était plutôt une mine, une espèce de mine de cubes là, enfin. De cubes ioniques. Entre vous, présent, je me souviens des créatures voraces qui sont personnes utilisées sous la glace, ouais. Et il y a une certaine importance, je sais pas, cet endroit a une certaine importance. Database d'une station alterne, identifiant un centre robotique. C'est au centre de robotique que je veux aller? Non, c'est un truc d'architecte qu'il nous faut. Grâce à Devane, nous sommes capables de survivre les empreintes laissées par les miens, ils sont occupés pendant un moment. C'est présent des soins, il doit porter, je n'ai pas, c'est un sanctuaire. Bon, mon corps est proche. Donc ça c'était quand on était au-dessus dans le truc, dans la zone des nénuphars là. Donc ça il disait ouais, la mort c'est nul. Je vais visiter mon endroit pour montrer un composant. Vous avez trouvé qu'on tient les brides d'informations, hein. Comment les humains font-ils pour fonctionner avec un corps s'il y a... Je vais te donner pour extrapoler l'impression d'un composant. Ouais, de la composante nécessaire à l'assemblage du corps, ok. Un autre site peut-être c'est d'un point, ouais. Pas de quelque chose d'important. Poste 0, votre. C'est à l'avant-poste 0, votre sort a travaillé pendant un. Oui, je sais que c'est qu'on est plus efficace qu'on trouve au milieu de nulle part, mais c'est là presque en dehors de la carte. J'aimerais être payé à rien faire, pas Sam. D'après les calculs, ils étaient en excellente position pour répondre à mon signal de détresse, mais j'ai fini par suspecter d'avoir des objectifs bien différents des miens. Un autre événement, oui, cependant, vous pouvez pas déterminer exactement, mais. Ouais, non, ça c'était autre chose, ça. C'est un endroit assez reculé. Ouais, bah c'était le truc tout au nord, là. T'es curieuse, à quoi servait cet endroit pour Altera? Marguerite qui a dit, ouais, casse-toi, pauvre con, il faut trouver encore un coin d'endroit, hein. J'ai pu sortir, vous pouvez l'examiner. Là, il parlait avec leur bouche. J'ai trouvé que c'est un simple artefact, j'aimerais trouver les 1. Où est-ce que ça pouvait être? Ça, c'est pour le jukebox. Tu as pas dit qu'il pourrait donner la construction d'un nouveau site de subsistance. Vous apportez de données qui pourraient être utiles à la construction. L'emplacement d'une technologie majeure, je vous prie d'aller l'investiguer. Qu'est-ce que. Il parle pas de trucs de fabrication là. Ouais, non, c'est. Il parle pas de trucs de fabrication, hein. Donc ça pourrait être où? Artefact. Conteneur du corps d'architecte.
Dans conteneur de corps d'architecte? Comment ça? Conteneur de corps d'architecte, c'est là où ça passe, ça passe. Méchant de Micheline, donc c'est... C'est quoi ça? On y était, non? C'est pas là où j'ai récupéré le... Bah non, bah non, le truc où j'ai récupéré les organes, c'était qu'il y avait pas. Enfin, c'était qu'il y avait pas, n'importe quoi. Oui, non, c'est le conteneur de corps d'architecte, c'est en dessous, la maison, enfin... Ouais, non, c'est bizarre, c'est... C'était squelette, parce que j'ai la maison des profondeurs. Le truc des organes se trouvait sous la maison des profondeurs, donc c'était à peu près à ce niveau-là. Celui-là se trouve plutôt du côté de la maison de Micheline. Donc c'est peut-être là où j'ai récupéré un des trucs de la dernière fois. Putain, je suis perdu. On n'a jamais parlé de fabricateur. Après, j'ai un truc qui permet de creuser profondément sous l'eau. Enfin, d'aller plus loin sous l'eau. Parce que artefacts d'architecte, les artefacts, je te jure. C'est les trucs qui étaient en hauteur. Origine de l'appel d'origine extraterrestre. Ça, c'est ce qui se trouve là. Pilote. Ça, c'est... On s'en fout. Et là, ça dit clairement... À propos de l'installation de fabrication, vous devez retourner là-bas. Ah oui, l'installation de fabrication, donc vous avez prévu de vous, que vous auriez besoin de créer des décors. C'est l'édition d'IKEA standard. C'est où? Bah attends, on va partir. Voilà, j'ai sauvegardé. On va regarder. On va. Je vais aller voir si le truc. Ah! Jafar, je suis coincé. Jafar? OMG Jafar? Ok. Je vais voir ce truc là. Putain, mais par contre, j'aimerais bien sortir de là. Merci. Merci, si. Merci. Merci, j'ai dit. Non, je vais aller à la maison, à l'autre maison. Comme ça, je vais pouvoir pimper un peu ma combinaison Prowl. Et puis ensuite, eh ben, on verra bien. Si le truc que je viens d'indiquer là, est-ce que c'est ça ou pas. Putain, par contre, c'est vrai que c'est vachement lent. Donc, je pense que je vais peut-être vider quelques trucs. Ah, il faut que j'aille prendre du titane sur le chemin. Tiens donc. Oh attends, j'ai testé le cube aussi. Enfin le cube de téléportation. Attends, j'ai fait une muse. Je récupère 2-3 trucs, ensuite je vais utiliser le cube de téléportation pour tester simplement. Du plomb, bon. C'est pas exactement ce dont on a besoin de plus actuellement, mais bah surtout actuellement on a besoin d'une position. Parce qu'attends, il y avait un truc où il y avait une statue, c'était dans un jardin, c'était un truc de méditation. C'est là où on a récupéré le squelette, je crois. Bah c'était ça. Enfin, si c'est exactement ce que je pensais, c'est le truc qui se trouvait sous profondément sous l'eau là, mais merde. Sous les nénuphars. Sous le site des nénuphars, c'était le corps. C'était une sorte de jardin spirituel. Là, on a récupéré les tissus. C'était une espèce de mine d'extraction de cubes ioniques. Donc c'est pas un fabricateur. Bah faut que je retourne là où j'ai récupéré. Non mais là où j'ai récupéré les organes, c'était... Il a pas parlé de fabricateur, il a même pas ouvert sa gueule. Ménage en merde. Y'a pas d'autre truc à scanner là que c'est plus certain. Voilà, parce que là je récupère des minerais de cuivre et tout, mais c'est pas ce dont j'ai besoin en fait. Vas-y, on va tester le cube. Attention. Moment ultra stylé en cours. Toujours mon. Oh bah merde alors! C'est trop bien. C'est trop bien. Ok. Vas-y, direction maison de profondeur. Comme ça, on fabrique ce qu'il faut pour la combinaison Prowl. Et si niveau profondeur ça le fait pas, bah on va laisser ça sur place. On va laisser le module aussi sur place.
Et puis, ça va là. Derrière, on va se barrer avec le module de téléportation. Le module de stockage. Module de fabrication, je pense pas qu'on en ait besoin. Parce que je peux rien fabriquer de spécifique avec. Pardon. Donc au pire, je fabriquais les morceaux de ce qu'il me faut pour faire les morceaux d'architecte. Mais en soi, les morceaux directement d'architecte, je pense qu'il faut un truc spécifique. Parce qu'il parlait d'un truc fabrication, un truc architecte pour fabriquer. Donc c'est pas humain. Donc et pour eux, c'est d'installation médicale. Sauf que ben, j'ai pas vu d'installation médicale pour en parler pour l'instant de leur côté. Ou d'équivalent. Par contre, effectivement, je suis plus lent. Hein. Vas-y, on va faire un truc. Bonjour, les poissons. Parce que là, en fait, je suis pas full life. On va tomber sur un Shelly serré là. On va tomber vraiment incessamment sous peu sur un chili serré. C'est pas encore le cas. C'est ça, c'est le bruit qu'on vient d'entendre. Mais il va pas essayer de me choper. Après c'était pas une directe entre la maison et ouais, non, c'est pas les lignes directes que je disais entre la maison et ça, donc bon. Conteneur du corps d'architecte. Ouais, mais c'est conteneur du corps, c'est pas fabrication du corps d'architecte non plus, donc vas-y, de toute façon, je fais mon bordel. Je construis mes choses. Mais ça me paraît suspect. Pourquoi c'est pas apparu, pourquoi c'était enlevé en fait? Quand je trouve un artefact, ça s'enlève. Mais ça veut dire que j'y suis déjà allé. Vas-y, on va faire un truc. Merde. On va s'avancer encore un petit peu. Est-ce que je peux sortir via ça? Let's go! Welcome aboard, Captain. Captain. Ok, pour ça. Ah, dans cette situation. Putain, mais oui, mais j'ai des trucs à. Ah, fais chier. Vas-y, on mange tout parce qu'on va devoir se vider ici aussi. C'est ici. Vas-y, on range tout. Comme ça, on prend le maximum de choses. Dans l'autre salle. Voilà. Non, l'aquabange. Enfin, l'acide là, j'ai gardé. Ouais, je vais alimenter quand même ma connerie, moi. Parce que je pense qu'on aura besoin. Ah, actif, j'ai rien dit. Ouais, c'est quand même plus sympathique. Voilà. Entrer là-dedans. Alors. Ici, d'accord, ici c'est juste pour le voyage, voyage. Ici c'est le matos pour faire le corps de l'architecte. On va quand même revérifier, mais 3 diamants ça paraît d'être un truc de corps d'architecte. Ouais, 3 diamants c'est pour le squelette, ouais. Et donc c'était à ce niveau-là. Et ça, normalement, c'est de la merde. Par contre, voilà. Comme ça vide un peu plus le truc. Plus loin que la nuit et le jour. Et ensuite on va essayer de trouver cette espèce de fabrication parce que je sais. Enfin de fabricateur là parce que je sais pas où c'est au final. Est-ce que c'est le truc que j'ai indiqué là? Je ne sais pas, je vais voir. Dans cette situation, je voulais faire quoi déjà? Parce que attends, si j'ai besoin de fabriquer quelque chose, c'est pas ici. Si c'est ici, ok, je peux. Alors, pouf pouf pouf. Oui, mais le verre émaillé, faut que je branche mon vaisseau. Moi je sais, non je déconne, j'ai oublié. Qu'il est con. Du lithium. Du lithium, j'en ai deux.
du benzène. Attends, de, ouais, attends, j'ai, attends, il faut que je branche dans tous les cas mon aqua manger. Faut que je branche. C'est pas exactement ce que je pensais, hein. Pas mal aussi finalement, je suis plus tombé sur truc au pif que dans le 1 quand même. Alors par contre, attends, on va faire demi-tour là. Voilà, avec un petit poisson qui a fait la gueule au passage. Allez. Ok, donc pour le machin là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des sports. Ah putain, les sports en fer, j'ai oublié. Enfin j'ai oublié, j'ai pas trop eu le choix non plus, mais oui, mais il faut peut-être le verre émaillé, ça peut être sympa aussi. Mais pour du verre émaillé, il faut du verre. Attends, il y a aussi des choses à faire là. Putain, hein, trop de choses. J'ai pas de quartz. Par contre, il faut du titane. 1, 2. Il faut plus de titane. 1, 2. Ok, pour ça, c'est good. Vu que plus petit, tu tombes facilement sur... Oui, c'est ça. Après, faut quand même les chercher, les trucs, hein. Un gros gros, je suis un pochon, un gros gros. Ah, surtout comme je le tire, c'est en mode... Ah, tu vas parler, tu vas me dire ce que tu sais, enfoiré. Voilà. L'interrogatoire d'un pochon. Il faudrait du quartz, s'il vous plaît. Du quartz, il y en avait en bas, hein. Si je pouvais en trouver avant, ça serait super. Ça m'intrigue, hein, quand même, cette histoire là de contenant du corps d'architecte. Bah, en théorie, j'y suis déjà allé, mais j'y avais pas. Si c'est celui que je pense, il n'y avait pas de quoi le cibler en fait. L'interrogateur d'un pochon. Non, c'est d'un pochon. Tu m'as bien écouté, tu m'as bien entendu, c'était un pochon. Dans un endroit où il y a des bestioles. Ok, non, ça lui c'est un connard. Tout va bien. C'est un connard aussi. Et il y a du quartz. Vas-y, ça je prends. Tant que je suis ici, est-ce qu'il y a encore du quartz? Lithium, lithium, vas-y, je prends, hein, tant que j'y suis. Hein. La baleine! Bon, ouais, il n'y avait pas trop de masse de choses, hein. Si ça, c'est un morceau de métal. Enfin, si c'est un débris métallique, je prends aussi. Bon, de toute façon, j'ai ce qu'il faut. Pour le reste, on verra bien. Par contre, ouais, ça fait chier pour le truc. Bah, en fait, pour le bras, c'est le bras grappin. Bah, ça va devoir attendre. Hein. La sainte base. Oh. Putain, avec les deux générateurs pour choper de la chaleur, quoi. Non, mais je l'aime bien. Je suis pas mécontent. C'est juste que c'est peut-être pas choisi le meilleur endroit pour faire ça, quoi. Fais chier. Et aussi, il faut que j'aurais dû construire aussi un fabricateur. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors. Du titane, oui. Ouais, placement, trop de voisinage. J'essaie de faire un truc stylé. Et surtout, je vais faire un truc pas très loin de la caverne au cristal, au fait, aussi. Verre émaillé, oui, comme ça j'ai ça. Rubis arrière coupé, en théorie, ça je peux. Il manque un rubis, c'est vrai, putain. Il manque un rubis. Chier. Donc ça, je peux le faire, mais il manque un rubis. Ah, mais attends, j'ai peut-être des rubis en stock. Non, celui-là, je vais les changer. Ouais, ok. Ça. Rubis, oui. Et ça, oui. Allô? Ah, c'est bon, je suis déjà descendu en fait.
Quartz. J'ai tout utilisé en quartz. Merde, le con. Bah tant pis hein. Je pensais avoir pris plus que ce qu'il fallait, mais non, c'est... Il manque donc un de quartz. Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Non c'est bon, c'est tout ce qu'il faut en fait pour aller voir l'autre truc. C'est bon, non, il y a encore un truc de quartz, ok. Il faut que je fasse gaffe moi à l'intégrité de ma coque. Allez-y. Voilà. Ça commence à vivre, il commence à avoir un peu de vie à l'intérieur. Alors. Profondeur. Bras de forage. Bah derrière ça tout désaparglé, bah malheureusement oui. Regarde, c'est de l'autre côté. Non mais... Merci. S'il te plaît, je mets mes conneries avant. Alors, ça. Et maintenant de 700 mètres. 700 mètres, c'est pas 1000 mètres, hein, donc... C'est de, y a, de, y a, on peut faire plus hein, quand même. C'est qu'on peut faire mieux hein. Alors ça je prends. Putain ça bouffe les piles ce truc là. Ça je peux le laisser. Ça je prends parce que pourquoi pas. Ça je laisse, tout ça je laisse. Ça la couille de la couille je laisse. Ah attends la couille j'en ai besoin pour autre chose ou pas. Est-ce que j'ai besoin de... Ah il en fallait peut-être deux. Est-ce que j'avais pris deux pour l'architecte? Parce que attends j'avais pris une couille pourquoi? À part pour faire. Ah la couille j'ai peut-être la garder avec moi. L'outil de réparation c'est un véritable bronzé. Le scanner ça va être utile aussi. À part de la bouffe qu'est-ce que j'emporte d'autre? Ah oui ça tombe, je vais pouvoir le mettre aussi dans le truc. Mais globalement j'ai fait tout ce qu'il fallait en fait. Ouais donc je vais peut-être laisser la combinaison et tout hein. Parce que 700 mètres je sais pas si ça suffit en fait. Ok donc ça c'est plutôt cool. Ok. Je vais prendre plus que ça aussi. Je vais avoir des coffres à disposition. Bah tiens au pire attends je prends des trucs qui sont pas périssables. Inventaire plein. Fuck. Allez! Ça, je garde parce que c'est le truc de l'architecte. Ouais, ça, évidemment, je vais pas placer. Voilà. Ça, évidemment. Ça, évidemment. Putain, j'ai peut-être vidé aussi un peu mon inventaire. Enfin, j'ai des coffres. Voilà. Bon, le cube, non, je vais le garder. Par contre, le dissène, tu te dégages. La plante à ruban, je vais le garder aussi. Toi, dans le doute, hein. Au pire, ça se, la bouffe se mange. Ça se tient pour l'instant. Donc, on peut attendre. Je laisse là ici. Ok. Donc, maintenant. Ah ça l'a réparé. Ah je savais pas que ça réparait aussi. Trop bien. Donc alors voilà. Alors ça c'est module de fabrication. Ça le module de fabrication on le dégage. Oui par contre s'il te plaît on te dégage. Ok, donc le stockage,
On le garde. Bah oui, de toute façon, fabrication, on va le garder aussi, vu que j'ai maintenu. Parce que, attends, il y a quoi? Il y a tout le téléportation par contre. On le garde directement, ça c'est sûr. Celui-là, le module d'amarrage, on va le laisser ici parce que la combinaison, on va la laisser ici parce que 700 mètres. Bah, je sais pas si c'est assez pour descendre là où il faut. À ce truc-là, là. Donc j'ai amarrage, enfin j'ai téléportation, j'ai stockage. J'ai le module. Juste vérifier. Oui, si. De toute façon, ici, voilà, il y a juste ça. Donc au pire. Attends, pour l'architecte, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Tout ce qui était, tout ce qui a besoin d'être fabriqué a été fabriqué, hein. Fibre synthétique, c'est ce truc à fabriquer. Et lingot de plastacier et machin. Lingot de plastacier et machin, ok. Donc, en théorie, toi, j'aurais pas besoin non plus. Donc je vais te placer gentiment à côté. Comme ça, je voyage léger. Bon, tant pis pour la combinaison Brown, ça va pas, ça va pas te servir à grand chose, mais au moins voilà, c'est. Ok, comme ça je prends beaucoup moins de place, j'ai un moins gros cul. Et c'est parti! Ouais, j'ai l'impression qu'on va plus vite. Je sais pas si c'est juste mental, mais au moins j'ai l'impression qu'on va plus vite. Allez, on rentre dans le territoire. J'ai un moins gros cul. Oui. Je suis fait de l'espace au niveau du cul. Attends, je déboîte mon pantalon. Pas pour quelque chose d'intrigant, hein. C'est juste que c'est pour faire un peu plus de place. Pour éviter de presser le bidon pour aller pour m'obliger à aller pisser. Voilà. Ça c'est dans ta tête ça. Bah aussi derrière quand et aussi sur mon interface. Sur mon interface, j'ai un moins gros cul. Ta gueule. Putain. Oh la vache quoi. Je déteste ces saloperies. 92. Bah eux aussi ils me détestent, ils me le rendent bien, hein. Ouais mais non c'est pas. C'est pas. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le truc qui se trouve sous les sous le machin. Sous le. J'ai refait un. C'est le truc qui se trouve sous la. Merde! Ah! Sous les, la nénuphar. Sous la base Omega. C'est ce truc là, je crois. On va voir, j'ai essayé de m'approcher par divers moyens, mais. Ah, quoique, c'est pas sûr, hein. Mais quand est-ce qu'on l'a eu ce truc là? Ouais, ça a l'air plus haut, hein. Ouais, donc quoi qu'il y a un petit chemin aussi qui sont là. Ah, il y a un autre connard dans le coin. C'est peut-être qu'avec la lampe, c'est peut-être mieux aussi pour s'y retrouver. Oui, mais non. Attends, c'est pas là, la fabrication, hein. Bien parce qu'il m'aurait pas dit, faut retourner au fabricateur. Aïe. J'ai à combien? 92? Ok. Mon canon IEM est chargé. Non. Ou peut-être aller par là, peut-être que ça va. Ah, peut-être que ça nous fait remonter, ça nous fait un petit détour. Je sais pas où je suis en fait. Je suis perdu. En tout cas, je me dirige vers le nord. Et au nord, c'était l'écho. Je suis pas déjà passé par ici. Je me semble-t-il. Non, ça doit pas être là. Hein. Mais c'est quoi alors? Mais...
Ça par contre je connais pas ça. Ça par contre je connais pas. Et si c'est le fabricateur comme il dit si bien. Par contre y'a pas de musique hein. L'ambiance est austère. Ok. Je sais pas si je préfère quand il y a pas de musique. Ah putain mais... C'est pas 99 qui était, c'était voilà. Je sauvegarde parce que là je... Attends mais du coup... Ouais ça je l'efface parce que ça me porte plus préjudice qu'autre chose. Mais comment on est censé le trouver ça? C'est pas... En plus les cristaux sont rouges, le rouge c'est pas le truc le plus... Par l'opération des surprises, amen. D'accord, ok. En plus c'est rouge donc c'est pas rassurant. Ouais 1000 mètres ça finalement il y a une bonne raison de faire le truc jusqu'à 1000 mètres. C'est parce que en fait eh ben c'était pour ça, ok. Mon canon IEM est chargé. Canon IEM prêt. I sense the presence of a substantial facility in the area. Mais c'est pas le fabricateur alors qui est ici. Oh mais ta gueule toi. Oh non hein. Non. Ta gueule. Bon bah tant pis pour le lore, on s'avance, on va voir la structure et puis on y va. Ouais bah en fonçant le plus profondément hein, je pense qu'il y a... Le but c'est, que ça, c'est qu'on aille tout droit je pense hein. Tant qu'on descend je pense... T'as vu vos gueules. Oh bonjour. Oh bonjour. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est n'importe quoi. Au secours. Titre. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit pour faire que ça fasse titre encore? Merde. Au secours, je suis trop en panique. Je maîtrise plus rien. Ah faut que j'aille plus profondément c'est ça. Bah c'était une réflexion de merde parce que... Ah quoique. Non s'il te plaît laisse moi passer. Mais où est-ce que je veux aller? Écoute il y a un méchant hein, j'imagine que c'est par là ici mais... Mais le méchant est venu jusqu'à moi tout à l'heure et c'était un cul-de-sac. Ah non c'est pas... Oui c'était un cul-de-sac, c'est toujours un cul-de-sac hein, le cul-de-sac t'as pas changé. Ta gueule putain. Ta gueule. On s'en fout profondément, faut juste aller tout droit. Ah, d'accord. je suis juste actuellement paumé là en fait. Ok. Bah remontons si ma technique fonctionne pas. Par contre, j'aimerais bien rejeter un coup d'œil au lore s'il vous plaît. La prochaine fois, je frôle les murs. Hein. Je sais pas si je bon ça je remonte là ouais. Je sais pas où je vais. Alors c'est stylisé hein, victime. Non mais je suis juste perdu en fait. Aïe. Parce que c'est pas ça qu'il faut que j'aille. Non, ça c'est un cristal, ok d'accord. Merci la luminosité.
Parce qu'il a dit, alors, on a tous les composants pour construire un véritable petit Bozzi. Il a dit c'est super merveilleux tout ça. Vous rappelez-vous de l'installation de fabrication? Vous devez retourner là-bas. Donc on était déjà allé là-bas. Sauf que ben visiblement les endroits auxquels on est allé, c'était pas des stations de fabrication. C'était l'intelligence médicale standard et tout, donc ouais, ça on l'a pas croisé. Et là il balance un. J'ai l'impression qu'il y a des stations d'importance dans la zone impossible d'identifier. On y a déjà été? Vas-y, je sauvegarde quand même, vas-y. Et tiens, j'ai mangé aussi. Dans le jeu, dans le jeu. Non mais, va manger! Mais tu peux éviter juste de sortir de directement du vaisseau? Pourquoi il... Enfin, des fois, il veut pas sortir... Ah, ici. Mais... Attends. La 950 mètres. Merci. À 950 mètres? On n'est pas déjà, on n'est jamais allé? Avec ce personnage là je parle. En même temps avec les autres personnages. Oui mais du coup, ça n'a pas de sens de dire faut y retourner. Parce qu'on n'y a jamais été avec notre personnage. Non, je sais, je crois le fait qu'il y a une structure ici précisément dans cet endroit là. J'y crois forcément, oui ça c'est sûr. Mais qui disent que c'est le truc de fabrication dont on a déjà parlé? Frérot, non. Il ment. Bon, faut que je recherche à nouveau des trucs d'architecture. C'est juste de ça dont je parle. C'est juste qu'en fait, il te dit bah, on y est déjà allé, frérot, faut y retourner. Enfin, il n'est pas dit on y est déjà allé, mais il a dit faut y retourner, donc ça inclut qu'on y est déjà allé. Sauf que au final, bah, c'est quelque chose où on n'est jamais allé. Donc en fait, je serais retapé tous les autres endroits. Le jeu m'aurait dit, bah non, tout simplement. Donc là, je retourne au cul-de-sac. Ta gueule! Putain, je déteste ça. Pourtant, je me protège, hein. Mais je suis pas à l'aise. Pour l'instant, y a rien. Soit. Remontons donc. Aïe. C'est ça ce que je veux dire, c'est que oui, je crois à la suprématie d'une importance d'une installation ici présentement. Mais c'est juste que, ouais, c'est la façon dont il a dit pour le... Non, oui, ça c'est le connard, ça. Non, tu... Mais... Je suis extrêmement toxique. Fous-moi la paix. Il a dit, fous-moi la paix. Bah tiens donc. Ah par contre, ah oui c'est juste que... Ah oui c'est... faut que j'achète le truc d'architecte. Bah j'ai des... Il peut pas il est, ok. Bon attends, on va faire un truc. Je m'imaginais à trouver des pylônes d'énergie verte machin chose tout ça, mais en fait pas du tout. And then we can transfer you out of my head? Okay. I am anticipating it as much as you are. Donc attends, si on... Là, ça, la fabrication. Il va falloir que je prenne tout le matos. Pardonnez-moi, il y a Vrototed. J'aurais pu me téléporter, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu me téléporter, mais bon. So Alan, you said your people came here in search of a cure? I was a researcher. You were a scientist, like me? My people regarded my scientific contributions with particular interest. As I said, like me. If that is your interpretation. So how did your valuable scientific mind wind up infected? Not my mind, my body. Perhaps you should build the next component.
Ah oh, putain. Ah attends, je peux scanner ça ou pas? Ah non, bah du coup ça va le scanner vu que j'ai déjà vu que je le fabrique parce que j'ai composé en fait. So you came here to search for a cure? I left the mission. Does that mean the bacteria got out on your watch? This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. D'accord. C'est un bodzi. Et les organes. This is the last piece. Soon I will be autonomous again. What will you do with your newfound freedom? I must return home to make amends. Amends? For the bacterium? There seems to be a lot you're not telling me. It is hard for me to find the words. I must collect my thoughts. Mm-hmm. It's all the necessary components. You may initiate body fabrication sequence from the terminal. You still owe me an explanation. I understand. Est-ce qu'ils ont fait les mêmes conneries que les humains étaient en train de faire, c'est-à-dire faire muter la bactérie Kara? The escape of the bacteria was an accident. I thought my solution was foolproof. I was wrong. Did you cause the accident? Yes. Oh. I do not wish to speak about it. We can come back to this. Le tissu était pas autant aussi présent. What are you doing? Research. Tit for tat. You've probed my mind. Scan your body. Maintenant. Alors, du coup, on a le. Le corps physique d'architecte complet est un hybride biotechnologique et cybernétique, incorporant des éléments de conception de plus de 20 ressources ADN. La peau, la couche extérieure des tissus à consistance de cuir, le tissu est entrelacé de 1, qu'on va briller, alimenté par le cœur interne, ouais. Alan dispose de six bras articulés suspendus autour de son corps par lévitation magnétique. Ils contiennent des systèmes informatiques ultra rapides et sont capables d'effectuer des tâches indépendamment les uns des autres. Les bras organiques sont considérés comme secondaires aux bras robotiques non organiques. Ils servent aux tâches de moindre importance, ne citant pas de motricité fine. La partie inférieure du bras... D'accord. Je crois entendre un bruit, mais non. La partie inférieure des bras est couverte d'un... Ça peut être utilisé comme une sorte d'armure. Ils sont également fonctionnés comme une... Ils sont également fonctionnés comme un condensateur et un magasin d'énergie latente. Ah d'accord, il peut se déporter. Les guesseurs eux-mêmes sont couverts de crochets microscopiques qui vont donner des expansions de terrain irréguliers accidentés. Les jambes avant et arrière sont extrêmement proches. Bah alors papy. Dis le mec qui a fait une giga sieste hein. Dis le mec qui a fait une giga sieste. Donc hein. Le corps d'échec est capable de traverser un certain nombre de téléportés sur de courtes distances. La méthode d'utiliser est principalement une version de plus petite échelle des parties de téléportation mais encore mal comprise. Il croit que le corps d'architecte soit capable de produire lui-même la quantité de d'énergie. Les fragments d'ADN correspondent sont déviés des sources suivantes. Sanglier chromé de 1. Serpent mastique. Anguille électrode. Bon, vas-y, on va pas se fâcher. Mais moi, c'est différent. Alors, quoi, c'est différent? Par contre. Ah, ok. Et là, on se retrouve à la place du corps de l'architecte. Je suis un bébou. Bah, moi, je suis une merde pour gérer mon sommeil. It has been some time since I last stretched out in so many dimensions. Like waking from a dream. Whoa. Hey. You're really not in my head anymore? There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the interview. Tu es juste vieux aussi un petit peu. Hein. Ça va être ça, je pense. Mon âge canonique. I told you I must return home to assess, repair, make amends. Tell me more. When the bacteria escaped, it was my fault. I
disobeyed the directive from my network. Oh no. Mm-hmm. We noticed that a species of Leviathan Young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. Qu'on a vu dans le 1, du coup. I thought if we incubated sea dragon eggs, we might expedite their hatching. I was not wrong. But... It would appear that sea dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. And the bacteria got out, infecting everything. Mais c'est pas dans le Wedemer qui faisait ça. They survived the outbreak back home. Are they still waiting for someone to bring back a cure? I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern you. It was certainly manipulative. And I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. I accept your help. Find me at the gate when you are ready. In the meantime, I must prepare. Signal location uploaded to PDA. Conseiller, reste bien qu'elle s'intéresse. Let's go. Ok. Portail de phase d'architecte de l'installation. Comme HKNonix, je t'emmerde. Ah mince, oula. My bad là-dessus. My bad là-dessus. Ah, c'est bon. Please, I will join you in the gate base when everything is ready. But for now, I have much to prepare. Ok, bah en gros, démerde-toi pour rentrer chez toi, connard. D'accord. Bon bah... Je pense que ça prendra à contester les facts. Comment ça les facts? En fait, il est bien dû sur cette zone, enfin dans cette planète, pour régler le problème de la bactérie. En fait, la bactérie n'est pas originaire d'ici, elle est juste, ben malheureusement, elle a juste pop. Attends. Vas-y, non, je vais rentrer. Vas-y. Je voulais réparer mon truc, mais j'attendrai un peu. Ta gueule! Par contre, quand je fais pour rentrer chez moi? Donc, en gros, ouais, chez lui, il y avait la bactérie Kara qui faisait des dégâts et tout. Il a trouvé qu'il y a, le Viathan ici qui pouvait régler ce genre de problème. Ce qui n'est pas le dragon des mers, parce que le dragon des mers, eh ben, c'est un connard, mais c'était pas lui qui faisait ça. C'est le Viathan empereur, je crois, dans mes souvenirs. Donc, ça va être le chemin du retour, ça. Ta gueule! Et le problème, c'est que quand il est arrivé ici, bah il s'est foiré et la bactérie s'est répandue. Donc la bactérie Kara n'est pas originaire d'ici. Malgré ce que nous pensions dans ce jeu. Ouais, sauf que les humains allaient aussi probablement faire de la merde avec ça. Ok, là, ok, c'est bon. Déjà, je peux respirer déjà. On va juste réparer un petit peu. Et là je me retourne et je vois le poisson qui est juste derrière moi. Putain, c'est super cool, je suis enfin en congé là pendant une petite semaine à rien faire. C'est super, enfin à rien faire en termes de boulot. Parce que j'aurai toujours des trucs à faire. Hein. Déjà si je m'enlève le boulot de mon esprit, c'est déjà pas mal. Ça m'a fait faire un being fou hein. Par contre par où je rebote. Crystals in this environment are confusing my senses. And yet I feel certain there is something important below. A facility or a body component. Perhaps both. I cannot tell. Mais il a. Non, il a pas dit exactement ça, il avait dit voilà frère, je sens quelque chose dans, je sens un truc important, mais le problème c'est qu'il y a des cristaux qui m'empêchent. Il aurait pu dire ça avant ce con. Putain mais Alan quoi. Ouais, s'il y a un connard ici, c'est que je suis dans le bon endroit. T'approches pas. T'approches pas, je te dis. Je te dis, t'approches pas. Je suis pas revenu en arrière là. Je sais pas. C'est par ici. Ah, il est 37 quand même, hein. Ouais, on a approché 3h, bah de toute façon on a terminé le jeu là. On a vengé notre sœur, enfin on a continué la tâche que voulait faire notre sœur. On a compris comment elle était morte, etc. Tout ça. On sait qu'elle est complètement morte.
Bon, c'est à peu près tout en concernant notre sœur. Marguerite, bah, on n'a plus rien à se dire en fait, c'est triste, mais voilà, elle nous parle plus, elle nous regarde plus, voilà, notre couple est brisé avec Marguerite, avec Micheline. Et pour Alan, bah, on a réparé son corps, et puis après, il faudra peut-être qu'on va peut-être vouloir se barrer au bout d'un moment, mais voilà, on a réparé son corps et tout, donc là, il y a la fin de la quête avec Alan. Après, par contre, nous, avec la planète... ta gueule. J'ai dit ta gueule. Ouais, c'est par ici. Donc j'ai bien fait de me barrer avec aussi la combinaison de froid. Ça va faire du bien ça. Ça suffit. Je suis censé rentrer par où en fait à ma... chez moi là. Ta gueule. Ça, j'ai le réflexe de ta gueulifier. Je crois que je suis perdu. Non, c'est bon, je crois que c'est bien par ici. C'est bien par ici, ouais. Bon, par contre, les trucs, c'était pas obligé, ça. Ça surcharge le truc pour rien. Ah, mais ça se trouve, j'aurais besoin du Snow Fox, non? C'est extérieur, c'est... ouais, non, on va voir. On va le recharger un peu avant. On va se refaire un stock de bouffe. Parce que qu'est-ce qui reste encore de ce côté-là? Ici, il reste seulement Chouné Espion, trop mignon tout ça. Là, il y a un peu de bouffe. Là, il y a un peu de bouffe. Sauf que c'est en train de périmer. Ici, un peu de bouffe et c'est en train de périmer. Non, merde, putain, laisse ça là-dedans. Laisse les grosses noix là-dedans. En fait, 1, 2, 3 grosses noix. Ok. Oh, le petit Billy! Bref. On fait une petite ingestion de piment, tout va bien. Voilà. Parce que si c'est dans le froid, et ça a l'air d'être dans le froid parce que ça a l'air d'être en hauteur là. Ça a l'air d'être en hauteur, donc il y a des chances que ce soit dans le froid. Donc il faut avoir de quoi se réchauffer. Par contre, avec le cubionique, oui, c'est toujours utile. C'est vrai que j'aurais pu me TP pour rentrer, bref. Pif paf pouf. On se casse. Ici, c'est en hauteur. J'espère qu'on n'a pas besoin du Snow Fox. D'ailleurs, j'avais pas un truc de module de Snow Fox à faire. Bon, on verra bien. Après, titane, kit de câblage et de l'argent, donc l'argent c'est bon. Le titane, faut juste que j'en trouve. Ah! Faut juste que je trouve du titane, ce qui va pas être le plus compliqué. C'est juste chiant, faut farmer, etc. tout ça, mais bon, bref, c'est pas grave. Ouais, c'est bien. Ok, c'est bien ce que je pensais. Parce qu'il y avait un truc que je me suis dit, ça c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on peut accéder à un endroit, mais. Qu'on n'a pas. Qu'on n'y a pas. Enfin, qu'actuellement je peux pas. C'est, ça a l'air d'être difficile. Oui, c'est parce qu'en fait. Salut toi! J'ai rencontré des. J'allais dire, j'ai rencontré des gens plus effrayants que toi, mais quand même, tu fais ton petit effet.
Putain, ça me rassure pas du tout. Là, ils auraient pu mettre des grosses créatures de bâtards. Hein. Il y avait du potentiel à faire ici pour faire peur. Hein. Mais non. Donc oui, je disais oui, enfin la dernière fois qu'on était, je crois que c'était l'installation 0, un truc dans le genre. Où j'étais en mode tiens bah oui bah là enfin il y a l'air d'avoir un truc intéressant qu'on peut explorer mais que je n'ai pas encore la possibilité d'accès parce que c'est un peu remonté et que ben faut faire des sauts etc tout ça. Donc est-ce que ça serait-il pas cet endroit là? Portail de phase de portail de phase d'architecte de l'installation. Salut toi! Espèce de poisson victime là. Ok. On va changer de tenue. Bon, la tenue, on verra ça pour après. Je prends ça avec moi au cas où. Je prends du piment par contre, je vais prendre du piment. Parce que la tenue, où est-ce que je l'ai oublié? Et ben dans la... là où j'ai... Oula, oulala. Là où il y avait à peu près tout, toute ma vie en fait. J'ai refait, hein, c'est dans la base des profondeurs. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On va juste réchauffer un petit peu. Ouf, allez, on se réchauffe un peu. On retourne. Oh, ta mère. Parce que du coup, quand il y a une météo de merde, ça se consomme plus rapidement. Il y avait un chemin par là, j'ai pas vu. Mais quel... Ok d'accord, il n'y a pas besoin de sauter. Mais par contre, il va y avoir besoin de se réchauffer. On attend que la pluie passe. Hein. Mais attends, mais je suis con, mais il y a des trucs pour se réchauffer. Putain, mais... Réfléchis. J'avais pas vu ce passage-là la dernière fois. Putain, mais je suis vraiment bigleux. Hein. J'osais pas le dire. Oui, t'es juste nul. Bah, je t'emmerde. Hein. Je t'emmerde toujours autant, hein. C'est tout, hein, ce Darky. Hein. Mais j'étais vraiment bigleux à ce point là quoi. Bête. C'est le terme. Non non, bigleux. Putain, je suis aveugle man quoi. Comme diraient les grands streamers de ce monde, aveugle man. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des dingueries analysées ici? Mais oui, il y a un distributeur à café! Non, c'est de la merde, le distributeur à café, c'est du caca. Ok, bon bah. Alan! Vous ici! Are you preparing to leave, Alan? Yes. There is much to do. Globalement stylé, hein. Regardez-moi comme ça pulse là. Bonsoir. Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where architects come from. Besides. I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. If they live at all. Or you could find peace. Family. I hope you are right.
Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side when you are ready to leave. D'accord. Bah déjà sauvegarde. Alors, ça. En gros, il s'attend à terminer tout ce que vous avez à faire sur cette planète. Ensuite, nous pourrons partir. D'accord. Qu'est-ce qu'ils appellent terminer tout ce que vous avez à faire sur cette planète? Les succès. Qu'est-ce qui manque encore? 12 sur 13. Un succès caché restant. Oui, bon, en fait, ça va être la fin. Oui, bah, construire une combinaison polaire, utiliser antidote, réparer le pont, monter sur un Snowfox, on disait manche un espion. Tout ce qui était même, tout ce qui n'était pas lié à l'histoire principale, au final, installer la jukebox. Oui, voilà, en fait, j'ai tout ce qui est. Mon cher Alan, je crois que j'ai tout fini, j'ai fini tout ce qu'il fallait faire. C'est stylé. Robin, you're just in time. The phase gate is opening. You've been hiding a phase gate here this whole time. Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe, in hopes that the others survived. Terriblement stylé. Alors c'est que lui il peut se TP donc forcément il n'y a jamais trop de problèmes hein. Alors qu'est-ce que t'as... Ah je peux voler. Ah non je plane. Tu veux que je fasse quoi en fait bra? Alors ça? Bah oui, oui, nouvelle technologie, tu découvres Micheline. Putain mais... J'ai failli foutre la merde deux fois mais tout va bien. Very good. Return to me and I will initiate ship assembly. Restitue les bras, tiens. The masts are in place. The energy field is ready. There is no time to lose. C'est vrai qu'il aura pas dû, pu du tout le faire depuis sa position en faisant transporter ses bras, tout ça quoi. Pas du tout. Non mais monte pas sur moi bébou. Que j'ai peut-être dû rester en place en fait. Parce que c'est terriblement stylé. Join me, Robin. Avec plaisir, Alan. Headshot, elle est morte sur le coup. Is this permanent? Nothing is permanent. Are you ready to go? Yes. I found the answers I was looking for. I'm ready to move on. I can't bring Sam back. But I know she died fighting, and I got to finish her work. I'll always carry her name. Oui, donc en fait, si on n'avait pas fait la partie avec le virus, elle aurait dit bah en fait non j'ai envie de rester parce que j'ai des choses à faire quoi. Mais du coup et notre personnage mourra d'une hémorragie cérébrale suite à ce choc sur la tête.
Je suis censé faire. Ah, il se prépare au lancement. Launching in 3, 2, 1. Par contre, le mec qui nous a amené jusqu'à la planète là, il s'est pas dit bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de Micheline, ce serait peut-être temps d'y aller, non? C'est parti, nouveau jeu. What will we find when we get there? If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls dimming. Et c'est stylé. Même si ça annule un peu le côté hyper mystérieux des architectes déjà. Ah bah le dernier succès. Quitter, voilà, bah c'est 45-46B, c'était sûr. C'était sûr en fait, c'était sûr. En fait quand ils sont passés dans le portail, ils auraient dû couper à ce niveau là pour dire voilà, c'est le suspense pour la suite quoi. Bon. Et ben alors, déjà, j'ai fait tous les succès, donc je peux dire officiellement que ce jeu, je suis pas obligé d'y retourner. Même si je pense que j'ai envie d'y retourner juste pour finaliser ma base en fait. Ma seconde base. Enfin bref, ça je ferai ça en off de mon côté, quand je serai sur Discord avec des potes, je serai en train de discuter avec eux et je ferai je ferai mes trucs à côté quoi, bref. À quoi penser de ce jeu? Et ben, déjà le jeu de tout court, de base, le jeu est très très bien. On retrouve à peu près les mêmes trucs que Subnautica avec le fait que le côté survie qui est plutôt quand même bien foutu, même s'il faut avoir le courage d'explorer pour pouvoir s'améliorer, pour avancer encore plus loin, etc. Si tu flippes trop, t'avances pas. Même si je t'invite à avancer, parce que au bout d'un moment, il te balance du lore pour dire attention, il y a des trucs à ce niveau-là, il y a des trucs à ce niveau-là. Donc tu dois, enfin tu te dis j'ai un endroit où aller. Donc j'ai pas besoin d'explorer, enfin j'ai pas besoin de babader sur la map pour trouver quelque chose. Tu vas à l'endroit en question et en général tu trouves quelque chose d'intéressant. Donc non mais le jeu est très bien, c'est déjà de base voilà, c'est l'histoire. Bah l'histoire franchement je la trouve plutôt cool. T'as deux histoires en parallèle, le Robin qui vient sur place pour mener son enquête et elle tombe sur Alan, donc elle a deux trucs en parallèle. C'est plutôt sympa au niveau en termes d'histoire. Au niveau des graphismes, ben c'est très 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 bien. Enfin, c'est largement suffisant pour moi en tout cas. Voilà. En termes de musique, ben, les musiques sont très très bien aussi. Ça s'adapte vachement bien au monde. Les deux phases. La phase terrestre est un peu bof par rapport à la phase marine. En même temps, le jeu de base est pensé pour être une. Attends. Peut-être un peu réduire le son du jeu. J'ai réduit un peu le son du jeu pour vous. La phase marine. La phase terrestre est un peu bof par rapport à la phase marine. Parce que, enfin, c'est cool, il y a une phase terrestre où il y a des trucs différents avec les manchots, avec les hunters, là, les chasseurs, etc. Ça a rien changé, je crois. De quoi? Ah, le son? Ah, bon, tant pis. C'est pas trop fort, ça va? C'est pas trop fort en termes de son? T'as aussi le Léviathan des terres, donc avec les vers quoi. Ok, bon, c'est cool alors. Donc c'était sympa cette partie là. Par contre, ça c'est que pourtant je pense. Après j'ai changé aussi pour mon casque. Et j'ai un truc pour régler directement pour le son dans mon casque, donc j'avais ça directement aussi. J'ai essayé de changer un petit peu sur OBS, mais j'ai fait à la mano derrière. Mais c'est vrai que la phase terrestre était un peu trop. Enfin, un peu trop présente pour ceux qui allaient en fait. Genre il y avait plein d'endroits, t'as pas de carte donc c'est facile de se perdre. Bon, encore une fois dans ce jeu. Et
C'était pas simple de s'y retrouver, sachant que bah, c'était suffisamment grand pour que tu puisses y perdre, mais il y avait pas assez de trucs pour, c'était pas suffisamment varié à l'intérieur pour que ce soit intéressant. C'est la façon la plus claire que j'ai trouvé pour l'expliquer, quoi. Donc c'était sympa, mais ça, soit ils auraient dû apporter plus de variations, soit peut-être éparpiller un peu plus la zone terrestre, parce que t'es vraiment concentré à un seul endroit, enfin à deux endroits, quoi. Un endroit, t'as le secteur 0 et le truc de fin. Et l'autre endroit où t'avais ben, les chasseurs avec les vers des sables, enfin, voilà, c'était... ils auraient peut-être dû éparpiller un peu plus, en mettre la zone avec les vers un peu dans un autre endroit, enfin bref. Qu'il y ait plusieurs bombes terrestres, plusieurs créatures, plusieurs choses à trouver aussi. C'est ça, ouais, exactement. Donc voilà, ouais, la partie RS c'était un peu trop, je trouve. C'était vraiment un gros point, enfin le point négatif du jeu, c'était la partie terrestre qui était une belle nouveauté, mais pas suffisamment bien mis en place. Voilà. C'était une bonne idée, mais c'était pas suffisamment bien mis en place. Sinon, attends, du coup, j'ai dit quoi, les musiques, l'histoire, graphisme. Le gameplay, c'est bien foutu. Hein, la base, c'est galère à construire si tu veux la construire dans certains endroits, mais sinon, ça va très bien. C'est juste qu'il faut farmer beaucoup de choses. Et ça, bah, ça demande du temps. Mais sinon, c'est plutôt bien foutu. En plus, il y a plusieurs trucs différents. Tac. Voilà, il y a plusieurs modes de jeu différents. Même si le mode extrême, on n'y touchera jamais. Parce que déjà, j'ai peur de base, même si je sais que j'ai des sauvegardes et tout. Mais en plus, si je meurs et que ça efface tout, non merci, quoi. Ouais, tu peux t'adapter. Enfin, il y a plusieurs niveaux de difficulté pour les nouveaux joueurs, quoi. Bref. On va quitter ça. Bon, bref, ouais, c'est où ça. Donc voilà, déjà le jeu en soi de base, il est déjà très très bien. Ensuite, comparons-le à Subnautica premier. Et bien celui-là, il fait moins d'effet que le premier, mais surtout parce que le premier, c'était une grosse découverte en fait. Le premier, j'avais jamais joué à un jeu dans ce genre-là. Donc et ben, je découvrais l'univers, la façon de survivre sous l'eau, les constructions, j'ai mis vachement du temps à comprendre dans le premier. Enfin voilà, c'est enfin pour moi déjà le premier la grosse partie c'était la découverte, c'était enfin plus tu t'aventurais profondément, plus tu flippais, mais plus tu découvrais de nouvelles choses qui t'invitaient à t'aventurer profondément, etc. Enfin voilà, on retrouve ce même système dans celui-là, mais dans le premier c'était vraiment tu découvrais que tu devais aller de plus en plus profond pour avancer dans l'histoire, quoi. Milo Zero, c'est une Otica dans une map plus petite avec le froid en plus et c'est tout. Avec la partie terrestre aussi. Enfin, là, une partie terrestre un peu plus développée, on va dire, légèrement plus développée. Ah, et en plus guidé aussi. Tu penses que c'est plus guidé celui-là? Parce qu'en fait, voilà. J'ai trouvé ce Otica 1 meilleur, mais c'est aussi parce que bah, il y avait déjà les découvertes totales du système. Et aussi, bah, effectivement, la map était beaucoup plus grande, donc t'avais beaucoup plus de biomes. Enfin. Je sais pas si en termes de diversité des biomes c'était plus nombreux. Mais. Si, en plus je crois que c'était plus nombreux. Mais en plus, t'avais beaucoup plus de choses à parler. Enfin, en termes de créatures, en termes de danger, en termes de biomes simplement. T'avais des champignons, t'avais les forêts d'Alt, t'avais bah, le vaisseau qui s'était crashé qui était un biome en soi. T'avais énormément de choses. Mais après, dans question guidage, je suis pas sûr. Enfin, celui-là, il te balance des trucs du genre, oui, il y a des architectes, enfin des artefacts extraterrestres et tout qui sont sympathiques à analyser tout ça. Mais vers la fin, j'avoue, c'était plus en mode, bah en fait, j'arrive pas à analyser, enfin à détecter les trucs que je veux. Au début, en tant que tassophobe, t'as passé des heures à pas savoir quoi faire parce que je sais pas trop aller loin. Ah, les trucs qui se lancent jamais si tu sais pas. Bah, dans le 1, t'as pas les artefacts à analyser, mais t'as des capsules de sauvetage. T'as quand même des trucs qui apparaissent, qui te guident. D'ailleurs, le premier, j'en souviens plus quand je me suis dit que. Quand j'ai trouvé les trucs qui fait continuer. Ah oui, non, si, t'avais des trucs qui t'indiquaient en mode oui. Enfin, pour le premier, je m'en souviens, t'avais les différentes capsules de sauvetage qui t'incitaient à explorer, enfin en tout cas être dans ces endroits là. Et puis derrière tu tombais sur le truc extraterrestre qui disait alors il y a 3-4 endroits intéressants qui se trouvent à, enfin il y a ça qui fait ça qui se trouve à telle profondeur, il y a ça qui fait ça qui se trouve à telle profondeur, etc. Il décrivait la profondeur où c'était, mais effectivement t'avais pas non plus de truc pile poil qui disait où aller. Vas-y, te contente que de faire des capsules de sauvetage, il y a quand même des triggers qui se lancent jamais. Ça, je suis pas sûr. Ah, bah oui, t'as. Enfin,
t'es quand même invité à explorer certaines choses. Par exemple, quand t'arrives, bah, ils disent il y a des capsules de sauvetage dans le 1. Il y a des capsules de sauvetage, t'y vas. Et puis derrière, bah, tu sais que t'as aussi l'Altera à explorer. Tu sais que tu dois aller à l'Altera pour retrouver des choses. Donc majoritairement, je pense que même si t'es thalassophobe et que t'oses pas explorer de base, bah avec ce que le jeu t'incite à faire de base... Oui, c'est vrai, tu dis pas voilà, mais en gros, c'est les seuls points que tu as dans le 1, au départ. Bah il y a un indicateur. Quand ils disent qu'il y a un capsule de sauvetage, il y a un indicateur. Donc en fait, c'est clair, enfin, t'as pas des trucs qui disent voilà, mais t'as déjà des trucs de base qui disent bah en fait t'as un indicateur, vas-y et tu t'auras des informations. Après, avec les installations d'architecte, effectivement, oui, ils te disent juste approximativement où ça peut être. Oui, voilà, ouais. Tu parles des trucs qui t'intéressent, ouais. Donc voilà, c'est pour comparer avec le 1, voilà, le 1 était plus grand. J'ai l'impression que c'était plus varié en termes de créatures. Et puis ouais, c'était plus l'effet découverte aussi. Si ça avait commencé par Below Zero, je sais pas comment j'aurais trouvé le 1. J'aurais trouvé très bien aussi, mais je sais pas si j'aurais trouvé aussi bien. Vu que ça aurait été, il y aurait eu moins la sensation de découverte d'un nouveau monde. Après celui-là, à la fin, t'étais un peu livré à toi-même parce qu'il dit bah attends, faut aller à cet endroit-là. Enfin, déjà, j'arrive pas à voir où c'est. Je sens qu'il y a des cristaux qui empêchent de bien analyser. Bon, tu sais, c'est dans le truc des cristaux, tu sais pas où c'est, mais c'est dans le truc des cristaux, quoi. Et le tout dernier, il dit ouais, bah en fait, bah ça se trouve, il m'aurait indiqué après. Je sais pas, mais j'aurais peut-être indiqué après. Mais après, c'est en mode oui, bah tu sais, t'en souviens du truc de fabricateur ouais. Et bah, faut y retourner. Et là, tu te dis, bah en fait, tu vas rechercher partout en fait. Ouais, c'est une erreur de design sur la fin. Ça, c'est un peu triste, ça. Pour le coup, j'avoue que ça. Heureusement que je me suis dit. Bah, heureusement que j'ai sélectionné le mauvais truc à explorer. Pour m'inciter à aller à un endroit et me dire, bah en fait, bah. Je suis tombé dessus par hasard, quoi. C'est un peu triste, ça, cette partie-là. Alan aurait dû dire, oui, je suis un fabricateur, c'est un endroit très très profond, un truc dans le genre. Bizarrement, à la fin, je te dis d'aller explore, alors que depuis le début, il te dit bah, je suis Baïs Bébou. C'est exactement ça, ouais. Bah, à part le côté je sens que c'est sous des cristaux, c'était très bien. Ça t'oblige à explorer tout le biome cristal. C'est juste vraiment tout à la fin le fabricateur où c'est un peu abusé, je trouve. Enfin, bref. Donc voilà. Et ben, sur ce, des bisous YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé. Le prochain jeu, je sais pas quand est-ce que. Le prochain jeu, je sais pas ce que ça sera. Et la prochaine VOD, je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais reprendre les lives. Mais ça, j'en parlerai avec les gens sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir en live les prochaines fois qu'il y aura. Pour avoir des infos un peu plus croustillantes, n'est-il pas si on peut dire ça comme ça. Allez. Sur ce, des bisous YouTube. Et à une prochaine. Salut!